Vous écoutez ici au pays et partout dans le monde les titres de votre journal. Bonne année, Longo na top Congo. Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour Toyo Kibino ba auditeur. 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala qui t'ozali pète, ozala kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule à Sika. 11h30 dans Linga les Alis. Ah, Thierry, changez à Tamboulo Yoko. L'émission, le débat, est la seule émission Oyo et PSBC possibilité au Kotananda Kabakonji. Bonjour à tous. Nazolongo là. Thierry, ça va, ça va bon? Oui. Le bâté, ah. Puis ça caboué, Nazolongo là, et longoué. Moi, t'es la bino, bonjour à tous. Thierry Kamboudi. Moi, t'es la yo. Zota langa, nabunda na makambo, le bâté, YouTube, azomo la ke. Nena obonga, ma nyoso, ouais. Bonjour à tous, 085-210-1111, merci d'être là. L'émission Le Débat, tous les jours, du lundi au vendredi, 11h30, 13h30. Il est 11h passé de 36 minutes, on avait pas trop en retard aujourd'hui. Mais on est en retard. Thierry Kamboudi, comment va le week-end? Comment s'est passé le week-end? Ça va, rien de spécial. Rien de spécial. Week-end de repos pour certains. Semaine, nouvelle semaine. Avec toujours l'absence de Trésor Kiyombo qui a prolongé son exil ou son repos. Exil, et il revient un peu plus tard, Thierry Kamboudi. Direction coronavirus pour démarrer en rappelant que vous nous suivez aussi sur YouTube, chaîne Top Congo FM et sur Facebook. Alors, coronavirus en République démocratique du Congo. Alors, il y a eu le bulletin de vendredi qui est sorti samedi, le bulletin de vendredi qui est sorti samedi, le bulletin de samedi qui est sorti dimanche, et nous venons à peine de recevoir le bulletin de dimanche qui est sorti lundi. Le bulletin de dimanche qui parle de 60 nouveaux cas, mais quand on fait le cumul depuis le début du week-end, 527 cas supplémentaires de coronavirus. Nous sommes aujourd'hui à 19 496 cas avec 619 décès, 8 décès supplémentaires dans la seule journée d'hier et 17 personnes guéries, 527 cas au total, avec 281 échantillons ce dimanche. Il y avait 862 échantillons samedi et 824 échantillons vendredi. Le coronavirus qui continue de faire des dégâts en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, mais aussi dans la province du Congo central. 17 nouvelles personnes sorties guéries à Kinshasa, dont 14 à l'hôpital. Voilà pour les signes, pour les chiffres du coronavirus en République démocratique du Congo. Thierry Kamboudi, comment cela se passe dans le continent africain? Le site de l'OMS, enfin le compte de l'OMS n'a pas mis à jour ces chiffres, mais on sait que l'Afrique du Sud est toujours le pays le plus touché du continent, avec
1,231,597 cas pour 33,163 décès. Il y en a eu 339 pour la journée d'hier. Et dans le monde d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui, c'est l'an 1 du coronavirus qui est célébré. Pourquoi bon, bah, édition spéciale. C'est ça, c'est la question que je me suis posée. Peut-être parce que Banaki Kana Occident. Voilà, donc. C'est un peu fort. Et pas la Bango, surtout que Zaba Media, la Bango est Balobeli, et pas la Bango est Komagi Mingi, na janvier. Il faut le rappeler aussi. Parmi les pays les plus touchés du continent africain, je l'ai dit, l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud arrive la Libye. Tiens, la Libye. Avec 104,745 cas et 1,581 morts. La Libye, 104 000. Oui, mais c'est pas le deuxième sur le continent. C'est quoi alors? Sur le temps, c'est la Zotala. En plus, l'Algérie, le Maroc, ils en ont plus. L'Algérie est derrière. La Tunisie, 159 000. L'Égypte, 149 000. L'Algérie est derrière. Ah, l'Algérie est derrière, oui. Non, mais on a la Tunisie qui en a plus, on a l'Égypte qui en a plus. L'Égypte est à 149 792, l'Éthiopie à 128 316. Donc, c'est pas la Libye. La Libye, c'est juste devant l'Algérie. Je suis le Maroc d'ailleurs, c'est le Maroc qui est deuxième. Voilà, oui. Le Maroc est deuxième. Le Nigeria à 100 000, à plus de 100 000. Le Maroc à 452 532 cas. Voilà, merci beaucoup. Je suis sur la liste de tous les pays au fait. Donc tu as sauté. La Tunisie vient juste derrière le Maroc à la troisième position. L'Égypte arrive à la quatrième position. Puis arrive par, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Libye, le Nigeria, le Ghana. Mais la République démocratique du Congo monte sur la liste des nombres de cas. Parce que si vous allez sur la liste des pays les plus touchés, vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo a pris quelques places parmi les pays les plus contaminés. Ça veut dire que Baka, Ezokoma, Mingi, Penza, Tokomi, Likoudoubé, Nassima, Sénégal, il y a Zimbabwe, il y a Mozambique, il y a Soudan, il y a Côte d'Ivoire, mais parmi les pays les plus touchés, dans les pays voisins d'Abisso, ils allaient Zambie. La Zambie qui compte 27 728 cas et 469 décès. 90 755 142 cas dans le monde entier, 64 899 465 guéris, 1 944 516. Je crois que très bientôt ce sera 2 millions. Le premier pays touché, ce sont bien évidemment les États-Unis, 383 275. Devant le Brésil, 203 140. Troisième, l'Inde, 151 198 décès. Et le Mexique, 133 708. Pour le Mexique, c'est fort, parce que pour le Mexique, c'est 10% des personnes touchées, encore qu'ils n'ont pas peut-être bien dépisté, 10% des personnes touchées qui décèdent. C'est énorme. Merci à Christian Zaoudon, c'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, qui nous signale qu'aujourd'hui c'est l'an 1 du Covid, parce que c'est il y a un an, jour pour jour, qu'on avait enregistré le tout premier décès dû au Covid-19 en Chine. Donc ce n'est pas l'an 1. Le premier décès en Chine. C'était il y a un an jour pour jour. Donc, voilà donc pour ce qu'il y a lieu de dire pour le Covid. Officiellement, évidemment, parce que derrière, après, dans les recherches, dans les débats, on s'est dit que peut-être qu'il y en a eu d'autres avant. On ne savait pas, mais bon, voilà. Babanaï, vous comptez à partir Yavana. 0 85 210 11 11. Toke Kolanda Siko, bah message beaucoup sur beaucoup de sujets, pas peu de sujets particuliers. Le top 7 surtout qui a volé la vedette. Enfin, c'était la principale émission politique du week-end. La seule. Voilà, mais également d'autres sujets, libération et toutes les polémiques qui s'en sont suivies. Donc voilà. Toka Bino. Bonjour, bonne année, l'équipe Nyon sur la débat. Papa Thierry, n'a rien à le cabo. N'a pas à dire contester, n'a pas à dire qu'au bout, il y a décision où il y a non-reprise, il y a cour, il y a ban. Pour l'ami, ban, on a beaucoup, toujours au monde à Bango, toujours dans la Bango. Pas à confiner la mandat, écoutez, peut-être que ma famille, il peut, oui.
mais ma famille au non so ba misu soza ko te ka ba mai ba sa contact na ba na ba wende tout alors que pendant tout ce temps là ba ko za na ba activité scolaire maintenir na ba école pour na ba tanga ça c'est des 1 2 2 on nous a parlé de manakovid qu'en est-il de ces produits pharmaceutiques ya manakovid et puis na question mo retourna ki ba tona ba za na ba statistique ta bango kuna ya EPSP kuna combien d'enfants sont déjà morts ou bien sont contaminés dans le bloc à la COVID. Pour nous suspendre le cours, alors nous avons reçu la ministre, notamment la docteur Mouyembe, parce que nous savons la Tanga. Bonjour les tuyaux. Autrefois, Jamal Kaboun, parce qu'il y a ensemble, à côté de la haie, à l'Obi Nord, à l'Obi Sud, vos ondes, que 7 millions pour un congrès extraordinaire. Malobara, c'était faux. Maintenant que les bureaux provisoires demandent 12 millions, est-ce qu'on peut dire que Jean-Marc avait raison ou il avait tort? Et ce présent bureau avait a raison ou a tort? Alors sur ce, au bien de la discussion, pour le bureau et à Kala, l'air caché, aïe bisabiso correctement. Qu'est-ce qui se passe en cas il y a combien extraordinaire? Il faut inviter des combien. Alors, si Kaboun avait raison, nous allons poursuivre le bureau qui vient de partir. Donc, Madame Mabunda doit passer par les justificatifs. Il y a moi là tout le monde, il y a des services qui sont malades. Tout le monde, il y a des services qui sont pour un congrès extraordinaire, il faut combien. Bonjour Thierry, bonjour Christian Lusakwen. Chose grave, lobby na zotambo la jusque na kendaki ko somba kisi na kalse na biso jetele non, mais na constaté la 22 heures la vie normale, vie normale, bato zotambo la bato lobby na raba jetele na mitini, est-ce que couvre-feu ezali? Non, couvre-feu ezate Christian na biso bino couvre-feu ezate, couvre-feu ezaka kana na kadam bato bale kati me na bakati ba polisi ba soko maté ba kangi ba classe inutilement. Bakashine et solata maté, mais dans la cachine, ce qui a vu peut-être une ONG et moi, à mon souci, à tout le monde, la pica cachine, mais connaît la bacalité, ma balle à balle et le consacré. Quel est le mot de ce fou, général Kafou, ce qui n'a rien qui n'a eu vu de qui chassa tout ça, combien de policiers? Monsieur Christian, Monsieur Thierry, Ngaï Freddy, à partir d'un galère. N'a rien qui n'a eu pas. Bazolo makambo union sacré bazolo balobi eza idée eza vision à chef de l'État qui place le peuple au centre de tout. Mais balobi président il a recevoir batobi mutuna mutu atikala na parti naye atikala na plateforme naye mais ba yako adhérer na union sacré parce que tu dis que si on doit longuer parti naye à longuer plateforme naye sur lequel il avait été élu à reperdre le mandat naye qui député. Mais ndenge nini mutu atikali na parti naye atikali na plateforme naye mais ake adhérer na idée l'informateur a identifié majorité parlementaire nandenge nini parce que bato balongwe te ba parti na bango bato balongwe te ba plateforme na bango nandenge bo expliquer biso na parce que nako comprendre te makambo union sacré parce que za plateforme te za nini te za ka idée et za vision chef de l'État bato ba adhérer mais batika na ba parti na bango alors et ko sala mandenge nini bo identifier majorité tant que bato batika na ba parti na bango nandenge nini makambo président de la République a lobaki et makambo ba police au sala ezo kuma makambo ya kotumisa population awa na direction yangwe mushivement eza pasi donc bapolisi baza na mutuka na conteneur bazosabote biloko ya bato bazoteka conteneurtoza 20h49 emutuka ucokota na kati awa abotoli na bataba ya matu ekola mitalaka ntango tomoni pasi makasi cerika mbundi kisalosakwe olobela biso na loboto na biso general aibitali bapolisi na ye ke soki bokei omoni bato bazoteka nganda ata kobotola taba bobotola soso bakomowela na bataki ya bato na maboko bazwi sere moko 50,000 francs na maboko kaka boyo afandi. Alo le débat botunela biso general Kasongo, eske couvre-feu eza effectif awa na Congo parce que awa toza na avenue Mombe na quartier Mombele na avenue Lumumba ti ero ba motezo leka na ba garçon bazo pepela na ba musique na balabala. Est-ce que couvre-feu awa na Mombele ezali?
Je te prends. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de transport. Je suis à partir de 20h. Je suis un peu plus de temps. Parce que tant que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de barrière. Je suis un peu plus de temps. Donc, je suis un barrière. Je suis 22h, même 23h. Donc, en tout cas, le gouvernement est un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis vraiment un peu plus de temps. Allô le débat, bonjour. Je réponds au nom de Josué Mukendi. J'habite au niveau de Ngalema. Nous en avons beaucoup de services à Ndakoya Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Banda Kabila Kenda qui n'a pas voyagé naé. Si les loups, nous on y est le matin morote. Kuna Kenda Gonsa la Nini. Banda Bopessier, Malobaki, Asa la voyage. Nous en avons ça à Zonga à Kinshasa. Bonjour le débat. Na bengambe na kombo ya monsieur Mathieu Arna Chikapa. Boko tisangana ndako ya monsieur le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bonjour monsieur le président. Soa na Chikapa tozo kama mingi. Tsalanga liboso olakaki ba bansina kie na change te ko réaliser ma kamunion sur ya bansenia to futa ba eni to ba kisambongo na bansenia kisiko tozo mwana maladi ezo kota o balobi coronavirus o balobi maladi tel o balobi coup d'état o balobi boye na boye yangana na change to zela okotiela bala kisimbongo ou bien okotiela bango te. Alo salut le débat, komo na nga Gedeon na vandi na commune ya Ngalema. Papa Christian, il camionne les abeilles. Comprendre mes colos. La première année, ma colonne est ma casse. Ma façon de voir le sacan. Et donc, ma copine qui ne va pas ni ma couvre sur ma couvre fait un encan à Babalabas. La basse y a basini. Et donc, 21 wana on a eu besoin de couvre ma couvre la base de sacage. Et ici, opération y a national. Donc, il s'agit d'un cas de ma fille. La couvre la photo de ma couvre la bise de basali. À quel moment ça s'est fait? Bonjour le débat. Isam ici, sagesse depuis la commune de Mankala. En fait, je voulais savoir ceci, à propos de ce qui se passe maintenant là, récemment des messieurs Dick Appel. Ce que moi j'ai essayé que Dick Appel était militaire, une fille militaire. Et il a été jugé dans la tribunal des militaires. Alors comment se fait-il que lorsqu'on lui a condamné, il a été arrêté, il se retrouve maintenant dans la 7h04 au Mankala. Tandis que moi, je sais que je sais que les militaires, leur présence est en Dolon. Comment est-ce que Dick Appel lui a été mis, a été gardé au centre de Mankala? C'est lié à quoi? C'est ça ma question. Bonjour le débat. Je veux que seule la radio est égale à la biso, au Yopenza, et que comme c'est la biso maloba, na bato et tout ça na bango posa. Nana lingina kote sa maloba, pona courant, na kimwenza gare au kote na zelanji li placere na prezisma na matumpo. Moi, je suis un peu plus de courant. 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 Je suis un peu plus. Bonjour, le débat. D'abord, la ligne a interpellé le ministre de la Justice. Acte a été opposé par rapport, il a arrêté Naïe. Ah, il s'agit de critères ni ne sali que Benjamin Wenga. Na, Eger Sokok, Babima, la grâce présidentielle, oh, tu sais qu'il a sali. Non, tous les gentils. Bah, tout, les gens qui n'ont même pas consommé 10 mois ou bien la moitié, il y a peine Nabango, bah, ça a grâce à vous. Vous voyez que Bango, par contre, on combat la vision, il y a la présidente de la République. Donc, les lois qui comptent, on dit qu'on a clair qu'ils n'ont qu'à battre un CCT. Allô, Doc Congo, bonjour. Je suis dans la commune de Tissens. On a un problème, il y a après ce qu'il y a à faire, on va se faire un crédit sur ce qui est société, ce qui est une bimie à ce qu'il y a. Je suis dans le bateau, je Papa Félix, abandonné dans le salaire à papa, il y a un fonctionnaire, 15% et 4 années. Oui, c'est quand même le bisou, il y a un bisou. Le problème est que les gens ne souffrent pas de façon à ce que Kabila ne soit pas bon. Comme ils ont un crédit, ils ont 17 unités, ils ont 170 unités. Si vous avez un crédit, vous avez un crédit. Allô, bonjour les débats. Oui, parce que je suis sur la chaîne de l'État, tout le monde a Top Congo, surtout l'émission Les débats. Alors, il y a une
tolingaka le débat mini na équipe Mobimba, mais sikoyo avant bango baya ba jitiri ba trésor na linga e baba ni matermini bazalaka avant le débat e ya e banda na sima kokota na bango parce que bango pe to setelaka na bango mais avant équipe na bango ba banani bazalaka na animé l'émission le débat. Merci, c'est les données depuis Machina. Bonsoir papa Thierry. Je suis allé à l'école côté. Je suis venu à la commune Matete. En tout cas, papa Thierry, je vous fais félicitations à la radio Top Congo, radio Bakonzi Balanda. Je suis allé à l'école de Mouya. Je suis allé à l'école de Mouton, de Bonhomme, de Mandela. Je suis vraiment Bakonzi Bayoki, radio Top Congo, Bakonzi Biso, Beto Moko, et Mouné, wana et Barré, et Bende, wana et Dimash, et Bende, et Bende, et Bende, Allô, Top Congo, je suis M. Corneille. J'appelle pour m'inscrire en faux contre tout ce que le secrétaire général de l'UNE venait de dire sur vos antennes. Premièrement, il dit qu'il n'a pas affecté plus de 4000 personnes, il n'a pas affecté des agents publics et il les a régularisés. C'est très bien. Mais les vraies unités qui devaient être régularisées, on les connaît, ils ne dépassaient pas 200. Ils étaient à peine 100 et quelque chose. Maintenant que lui dit qu'il a régularisé presque 600. D'où viennent les autres? D'où viennent les autres? Parce qu'il n'était que 100 et quelques unités qui devaient régulariser. Mais il les a régularisés presque 600. D'où viennent les autres? Et deuxième chose, il n'a pas l'intention d'aller au-delà. Parce qu'il veut soi-disant respecter les cadres organiques. Qu'est-ce qu'il attend des cadres organiques et qu'il a déjà violés? Maintenant, qu'est-ce qu'il attend pour envoyer leur nom à la fonction publique? Il n'a pas envoyé la liste déclarative jusque-là parce qu'il a l'intention d'aller au-delà. Et juste aujourd'hui, il continue à donner des affectations, de nouvelles affectations. Bonsoir, équipe Mobima ya Top Congo et puis meilleur vœu Nabino Nyonso et Zalinde Ko Jean-Pierre Rwanjola depuis Mombele. Et puis Bobandi Nangana le Banabino moi Mouke na ébité ngai na domaine na ngai ya santé na mona kana hôpital chose la ka congé annuel ba ko ko pesa te na batu nyonso ya service ba ke le congé. Mais bino mozozo wa congé toutes les deux émissions et zri ko animer Top Congo makasi. Otiki biso lokola bitiki mbalansi ma bo sala ka rotation. Oya kei ba msusu ba tikali oya iko kende ainsi de suite obo salata vraiment ezaya ngote. Deuxième chose boko tsala ndaka mokonza mboka mokonzi ngana tikala kina makambo mibale ya kobenga yo sino na kobenga ka lisusu te ya liboso na benga awa likambo ya maliwa oyo tomona na beni natali video wana lokola congolais banda na butama kimbula na ngana na bima na mabele ya congo te mabele na ngana yo kisomo pasi kutala bongo ya mibale na koya kobenga yo soki gouvernement bimi na seli na yo mokonzi oyo kela ndeko muzitu malgré bango batila na opposition ndenga sekaki kosala etumba contre le Rwanda. Franchement okosenga tobanga ba frontière entre biso na Rwanda. Le débat bonjour. Vraiment, c'est avec beaucoup de regrets ndena yoki ba propos ya monsieur Moindo. Tomoni bien tangu bande kobake Genève monsieur président de la République Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe ba retiré ba signature na bango na coalition la Muka. Mais lelo Moindo aloba il faut ba vanda Félix Vital po na Bemba Katumbi Martin Fayulu batala à venir y a la Muka. Mais on est ça va congolais? Non, ce n'est pas ça. Et bah, on va vendre Vital Kamerhe et on a caché, on va vendre comment? Et puis, comment expliquer? État des droits. Lelo Oyo, Bato Bakangama Kipo na procès à 100 jours, Babimi, entre autres, DG ya OVD, na ya Sokok. Mais pourquoi Batigi Vital Kamerhe? En tout cas, c'est regrettable. Alors, Nangina répondre Nande Kumoro Tunaki pourquoi Bazobenga Martin Fayulu Aigle? C'est tout simplement parce que Martin Fayulu Azomona
makambu oyo ezo ya liboso et nangina tuna lisusu boye sur base de quoi monsieur le président qu'on nommé lisusu informateur autant que bah en nommant le premier ministre déjà on sait la majorité il y a coalition mais nous ça crée la coalition t'es ce qu'on va renommer premier ministre lisusu na wapi. Oui, allô, bonsoir, Top Congo, déjà, monsieur Benoît, depuis Massena sans fil. Aïna, le baboyen Christian. De mon façon, présent, ça lui basse de mon temps, tu sais, pèle dans ma casse, parce que, et diminuer quand même l'embouteillage. Maintenant, le problème, c'est ça, on est ça, que, bâtard après basse de mon temps, à partir d'entrée à abattoir, on a entré à quartier, et l'embouteillage, comme ça, il m'a pas place, on a. Parce que sur l'année, il y a des feux de signalisation. Sur moi, ils ont pas bon, ils sont de façon que, circulation, ils ont quand même tout normal, parce que là, on a fait des signalisations, on a un robot, on a des gens qui montent quand même, en bouteille, ils sont aussi là, presque nous. 0-85-210-11-11 Toye Kibino, Tokoyo Kabino, Lisusu na ete Nyami Valé, émission Nabiso. Mais pour l'heure, le flash de 12 heures, c'est tout de suite avec Isabelle Moengo. On vous retrouve dans moins de 10 minutes. À tout de suite. 0-85-210-11-11 0-85-210-11-11 Top Congo FM, la fréquence utile. Bote mingi na bino banso ba bonjuli ba kuya kolanda basango olokota la lingala. Merci à vous tous qui faites de vos clients nos auditeurs. Vous nous écoutez ici au pays et partout dans le monde les titres de votre journal. Go tombeli bino bonne année longo na top Congo. Information en République démocratique du Congo. Libération du DG de l'OVD, celui de Sokok, la CAJ et d'autres organisations qui luttent contre la corruption viennent de saisir le procureur général près la Cour de cassation en vue de l'ouverture d'une enquête. Selon Maître Georges Kapiamba, qui suit de près ce dossier, les auteurs de cette libération qu'il juge irrégulière doivent subir la rigueur de la loi pour faute grave. Le collectif des ministres provinciaux de la RDC s'insurge contre le budget de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Selon son porte-parole, cette façon de faire est une grande injustice. Hilaire Kazadi voit mal qu'on paye mieux les nationaux et rien du tout pour les provinciaux. Ils ont manifesté ce lundi sur le campus de l'université de Kinshasa. Les étudiants de l'UNIKIN réclament la reprise des cours dans les instituts supérieurs et universités interrompus afin d'éviter la propagation de la maladie du coronavirus. Selon un des organisateurs, ils ne comprennent pas le bien fondé de cette décision alors que les bars, les églises et les rencontres politiques rassemblent des centaines de personnes. Selon un étudiant qui a requis l'anonymat, il y a eu des interpellations. La RDC classée premier pays au monde affecté par l'insécurité alimentaire aiguë, plus de 21 millions de personnes sont concernées, ces populations en situation de crise et d'urgence se trouvent principalement, je voulais dire, de crise dans les régions affectées par des conflits et mouvements des populations et des épidémies. Les provinces du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, éducation centrale comptent
je voulais dire plus de 21. Oui, donc les provinces du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, du Kasaï central comptent le plus grand nombre des populations confrontées à cette situation. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies sur la situation en 2020. Voilà, ainsi se referme ce flash d'informations. Retrouvées juste après nous la suite de votre magazine Le Débat avec Christian Lusakweno et Thierry Kambundi. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été... Merci à vous tous qui faites de vos clients nos auditeurs. Vous nous écoutez ici au pays et partout dans le monde, les titres de votre journal. www.topcongofm.net. Mingi
Merci à vous tous qui faites de vos clients nos auditeurs. Vous nous écoutez ici au pays et partout dans le monde, les titres de votre journal. Vous avez un avis, à thèse, antithèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, Tinda Mutuna Zandu, Asomelo Radio Mouke, Ochana Biro na Eto Nandak na Yomoko Yokaka, Makambo Oyo, Ezo Tumisabiso. 11h30, Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé, Poto Yokibino Ba auditeur, 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala Kito, Ozali Peto, Ozala Kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule Asika. 11h30 dans Linga, les Alibis. Ah, Thierry, changé à Tamboulo Yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où il y a une possibilité de faire un débat. 085 210 11 11. Retour dans l'émission Le Débat. Il est 12h passées de 9 minutes. Nous sommes en direct. Thierry Kamboundi, Mitouna Yabalandi. Jean-Marc Kabunda Kabunda avait-il raison ou tort de dénoncer ou de révéler les 7 millions de dollars que coûte l'organisation d'un congrès? À Saint-Guito, invité membre Moko y a ancien bureau pour Nakozanaba. Chiffre exact. Bon, c'est vrai que congrès na session extraordinaire est différent parce que congrès a ramokolo moko, session extraordinaire est à Toloba un mois à peu près. Kasi, mais tout ça bas chiffre. Oui, mais ça bas chiffre tout ça à l'époque est différent na ou bimi. Non, bas chiffre tout ça pour la session pour le congrès. Balobaka, le congrès, le budget du congrès, c'est dans le budget, c'est 3 millions. Ça n'a jamais été des chiffres publiés officiellement. Qui a publié? C'est dans le budget. C'est 3 millions de dollars par an. Oui. Alors, le nombre de congrès... Qui a publié? Non, papa, c'est dans le budget. Oui, mais la tunité, c'est pendant la polémique, non. Ces chiffres ne sont pas sortis. Si, pendant la polémique, on est parti voir dans le budget, il est clairement noté. Mais non, c'est dans le budget, va voir. Oui, c'est marqué, c'est marqué 3 millions de dollars pour le congrès. Donc, il y a un volet congrès de 3 millions, c'est 3 millions de dollars. Et Zala Moko, et Zala Mibale, et Zala Misatu. Et je crois que, je ne sais plus quel député avait dit que le maximum, c'est cette somme-là, mais qu'à chaque congrès, il faut bimi sa demande pour ce congrès spécifique. Donc, et les caca 3 millions de dollars. Christian Osakweno, de bonne foi, vous êtes allé voir, en tant que journaliste, vous avez eu ces chiffres-là. Mais Kolobake Tozwaka, Ozwaka en tant que journaliste, ce que moi je suis en train de dire, c'est que après le passage le 12 avril 2020 de Jean-Marc Kabound sur Top Congo, ce qui s'en est suivi, c'était un communiqué du président du Sénat qui a juste dénoncé Bapopoana, Alobi Kezaï Lokuta, mais on n'a jamais eu ni du bureau de l'Assemblée nationale, hein, du bureau Mabunda, ni du bureau de Tambo Mwamba, les vrais chiffres que Babimi Selabisoboy, la preuve. S'il vous plaît, la preuve, maman Mabunda yaki awa, totuna kiepe motuna wana, atika la obimisate. Soki osalake mon sala en tant que journaliste, tope au kenaye ko gratte na budget, bravo, kasi, bango moko ba responsable wana, babimisa yangote. Raison pour laquelle l'auditeur nous demande de poser la question à l'un des membres du bureau Mabunda, bao baoti kokoya. Mais il faut dire aussi ceci, Thierry. Il y a une règle en droit qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Je suis d'accord. Zela, Nul n'est censé ignorer la loi. À partir du moment où le budget
Cela s'appelle loi des finances. Le budget doit être publié. C'est une obligation. On ne se contredit pas. Dire, oui, mais comment on ose expliquer kilo, il y a pas cambi, il y a pas institution, on a pas parce que c'est officiel, parce que c'est publié. Mais vous vous rappelez-vous, il y a pas longtemps, on disait ouais, il y a eu un média international qui a fait une enquête et qui a dit en plus tout est public. Tu sais, j'ai pas envie de dire ce que certains disent pour dénigrer la race noire. Parce que Ngai Nazam Mutu Mwindu, et je suis fier de l'être, je le revendique et je suis content de l'être. Et on dit de nous, Soko Lingi et Loko Moko Bisoto Ebangote Tiango Namukanda. Mais attends, c'est là, nous avons cité. Et Loko Zana Mukanda. Maintenant, c'est vrai que Bango Bazo Ningakolo Bangote, ils vont vous dire aussi que ce n'est pas leur rôle. Le rôle de la presse si. Maintenant, non. Non, si. C'est pas leur bon, rôle. Si rôle si, Naroyem, c'est entre autres Tina Vazolina Rolo. Nalobien. Il y a deux choses qu'il faut bien noter. Il y a le salaire qui souvent est inférieur aux primes. Le salaire est connu. Puisque le salaire, on a même vu... Le salaire de qui? Le chef de l'État, par exemple. Chef de l'État touche 17 000 dollars par mois. C'est le salaire du chef de l'État. C'est dans la loi des finances. Maintenant, combien il gagne? Ça, tu ne vas pas le savoir. Mais le salaire, c'est 17 000 dollars, à peu près 17-18 000 dollars par mois en fonction du taux du franc congolais, parce que tout est en franc congolais. Mais maintenant, à nous maintenant, journalistes aussi, tout ça, Moussa Nabisso. D'accord. Et là, on a l'ingé là, l'obaka, que ça boule. Soko yogaka, régulièrement, systématiquement, que présidence de la République, primature, Assemblée nationale, institution, ministère, minène, basant dépassement un budget, et ça justement parce que, oye, comment on a budget, na loi wana oye, que n'aigo tala, ils allaient forcément, oye, s'appliquer, na oye, bimarate. Aux hommes, on a problème, de yango, voilà. Donc, le journaliste peut aller voir, le quoi, yo, que n'aigo tala, lobby, bravo. Kasi silence, y a ba responsable, y a ba institution, on a. Si l'information était si officielle, si connue, si publiée, c'est ça qui me tique, au fait. C'est ça qui me tique. D'autant plus que, on l'a dit polémique, Gaël Boussalekin à Top Congo, à l'objet, biso 12 millions, t'ont inventé le côté. Tozui, kaka, mais bah même donné presque, oyo, il y a bureau sortant, peu bavane ou ça. Na simana yango, contre-attaque, il y a bureau sortant, bimisi ba chiffre. Enfin! Qu'on n'a jamais connu, en temps normal, hein, Mokanda wana oya madame Mabunda, oya Bimaki, oya que congrès, session extraordinaire, coûtait 6,1 millions de dollars. Je ne pense pas qu'en temps normal, balinga babimisango. Babimisango kaka pour nous contredire Gaël Boussa. Ça veut dire qu'on nous cache des choses. Hein. Ça veut dire, Thierry, comme on dit, ça veut dire, et ça, il faut être clair. Il faut être clair. Au moment où on est sur Batungi Sarabiso, Biso Bamedia, Batungi Sarabiso, grave. Les hommes politiques se moquent de nous et nous utilisent. Parce que qui sort ces chiffres? C'est pas nous. C'est pas nous. C'est eux. C'est eux. Mais alors que ces chiffres devraient être officiels. Ah, mais oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Conclusion. Et je l'ai dit, et je le dis, je le répète, tant que Bino ba fanatique, ba militant, vous attaquez un média, ne l'attaquez pas parce qu'il pose des questions. Dites aux médias de gérer les politiques des deux camps de la même manière. Mais ne nous empêchez pas de faire notre travail. Parce que notre travail, nous, maintenant, c'est quoi? Loi de finances et Bimi. Malheureusement, dans nos médias congolais, c'est un fait, il y a de plus en plus de médias économiques et Zobima. On n'a pas assez de spécialistes dans chaque domaine. Top Congo et Komo Bimisango, Yango Tokomo a problème parce que oh, Liboso Botalaxi, on était là. Le Mukolo Baba, le président Kabila Nomaka ba commissaire général. Tobenga Kaba spécialiste, c'était Babaloba qui c'était pas correct. Batou Bayo qui angote. Mikolo Tozo, ça là, Bazo, attaqué Bisso. Tout est officiel. Tout est censé être officiel. Non, papa. Enfin. Tout
tout est officiel. Non mais papa, yokanga bien. Non, na kozana na nuance T. Pourquoi na kozana na nuance T? Tout est officiel. Maintenant, papa, ce qui docteur a lingi koloba ke problème moyen yakobiki sa coronavirus ezali, mais il faut que déontologiquement tu ailles dans la quadrillation du strinome des nini nini. Biso ban journaliste tokotanga ngo tokoyeba te. Prenons, acceptons de prendre des spécialistes. Et maintenant, nous, médias, tout ça, la moussa, la biseau, y'a roukene, qu'on fouillé. Oui, mais justement. C'est comme ça que, c'est comme ça que tu as des grands, des gros dossiers. Voilà. Christian Osakweno. On sait aussi, enfin, bon, nazon, akara, na makambo, zoloba. Ngaza, la moindre nuance. Yo, lobby, tout est officiel. Ngala, lobby, tout est censé être officiel. Mais malheureusement, tout n'est pas officiel parce qu'on ne met pas tout à la place publique. Je reviens à la polémique. Ce qui Gaël Boussa, dans le contexte, il y a l'élo Abimisara 12 millions T, comme au budget, bah, c'est pour la session extraordinaire, tu ne sais jamais que Mme Mabunda a 6 millions. Parce que dans le temps où Mme Mabunda a 6 millions, et bien, Makate, Mme Mabunda était sur notre plateau. Tout ce qui est chiffre à l'obaté, tout ce qui est chiffre au monanenge, à bêta yango karatu, à boaksa yango. Pourquoi? Au lobby salaire à président de la République, ah, ok, au lukat. Totou nango balaboni. Totou nango banamboula nini. Le président gagne combien? Le premier ministre gagne combien? Le président de l'Assemblée nationale gagne combien? Tu sais pourquoi je suis parti voir? Parce que Moukolo, un jour, il y a quelqu'un, un politique, qui nous a dit ici, mais Bino, c'est officiel, faites votre travail. Oui, mais j'ai fait mon travail, je suis parti voir. Vous êtes sûr que c'est tout ce qu'il gagne? Non, ce n'est pas tout ce qu'il gagne. Pourquoi se cacher? Non, mais pourquoi ça devrait être officiel aussi? Attends, attention. Et est-ce que c'est régulièrement la même chose? Il faut qu'on y ait Banine, il faut qu'on y ait Mama Kamoussous. Il faut qu'on y ait que c'est comme nous à Top Congo. Soki Moutouazali, Lélo, journaliste. Top Congo est privé. Non. Oui, à l'État, le principe, il y a redevabilité. Il faut nazoir exemple et pas redevabilité exaltée. Pour Batou, il y a redevabilité, bah, comprendre bien qu'on n'a rien à cacher. Le salaire, il est fixe. On appelle ça le salaire de base. Le salaire de base, c'est ce que tout le monde connaît. Maintenant, en fonction des mois, ce que reçoit le journaliste de Top Congo, comme ce que reçoit le ministre, le président, tout, ça peut changer. Peut changer en fonction de quoi? En fonction de 1, responsabilité naïe, participation naïe na ba réunion à conseil d'administration, réunion de conseil de rédaction, réunion na ba jeton, na ba mission na libanda, n'a pas frais de représentativité, parce que de représentation, parce que nani aujourd'hui ce qui Thierry Kamboundi a ké na restaurant Koli Anamutu na cadre ya Top Congo, il faut payer ses primes Mokoboye à l'État, c'est pareil. Donc le salaire, c'est la seule chose que tu peux palper. Maintenant il faut qu'au côté à la Mouzindo, et ça ce sera plus difficile. Mais à avoir pourquoi tout cela ne devrait pas, et ça peut être idéal Nambo Kanabiso, nous sommes une jeune démocratie, mais pourquoi tout cela ne devrait pas être officiel ou connu demain? Parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Et ça, on a bangoté. Lorsqu'en Suède, auditeur, on a Suède, un ministre démissionne parce qu'il a sombi chocolat, na carte, na ya mosala. Et là, qui c'est nini? Na mbongo ya l'État. À son biche, bar et à chocolat, alors à démissionner parce que provoquer tolé. Pour la ninité, toke ne malembe, tina niveau que lobby et comme abongo. C'est ça mon problème. Lobby bientôt que ne malembe. Oui, mais il faut qu'on commence quelque part. Oui, la Suède. Et puis il ne faut pas qu'on encourage. Oui, il ne faut pas qu'on encourage Batobazo bomba. On n'encourage pas non plus. Surtout qu'ici on parle en termes de millions. Ouais, les aïe chocolat, mouké, aïe combien. Ce qu'on dit, Thierry, ce qu'on dit, c'est que Oyo lobby est ali destination. Mais. Commençons. Pour Okoma, Nesika. Il faut longuer pas aux alliés. Oui, mais commençons. Voilà. Ayons le courage de quitter. Nous devons, en tant que journalistes, interpeller les politiques pour qu'ils aient le courage de nous faire quitter de l'obscurité
pour nous mener vers la lumière. Ba longo la biso na bisika na na mo lilio to banai ko ebe lo rote mbongo e bimara to ebite ba msuba ebi biso ba komi na boy to ebite uti wapi ministre a sali 6 mois na gouvernement 1 an a komoto nga 2 immeubles mbongo uti wapi to tuna te esengeli to longo na mo lili wana poto bima penza na ah mama présidente ya boy to monsieur le président ya boy a gagnera boy ba prime na ezara boy député ya boy ezara boy ministre azara boy président azara boy et le boy président sera dépassé budget premier ministre sera dépassé budget il faut ba interroger ba luka koyeba po na nini dépassement il faut to koma wana et pour y arriver il faut du courage il faut dénoncer il faut le rappeler il faut pas to le baka ke bon to monika o komami na papier sili. Or, madame, comment mina papier qu'aucun n'aura jamais la réalité. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand on nous demande le salaire est allé rubrique moko. Mais moutou, ce qui a sengi salaire à moutou, ce qui a sengi salaire n'angai, n'a copé ce salaire n'angai, yo koloba, ah, au kosi, non, n'a kosité salaire yango. Bon, on s'est bien compris. Voilà. En plus du salaire, il y a beaucoup d'autres rubriques. Caché malheureusement. Il y a un dégât dans l'hôtel et là. Bon, dans tous les cas, la question reste pendante et on va chercher à inviter, comme le demande l'auditeur, l'un des membres du bureau Mabunda, peut-être ma question directe pour nous répondre à l'Ikamboa. Comment est-ce qu'il y a effectif à la police, ça les abonnés, dans un renseignement, autour de 30 000. Autour de 30 000 éléments à la police à Kinshasa. Je suis surpris parce qu'il y a quelques années, j'avais posé la question à un responsable de la police et il n'avait pas réussi à répondre à la question. Bon, aujourd'hui, on a quand même eu. Après, on a peu de chiffres exacts, autour de 30 000. Tu vois, autour. Autour. Voilà. Tu sais pourquoi le autour, là, ben. On me dit pourquoi là, les choses qu'il faut gratter. Non. Pourquoi? Parce que le autour, là, on devrait connaître, puisque Nazongi sous la loi des finances. Bah fouta bango. Combien sont pris en charge? Ah oui. Donc ça on devrait savoir aussi. Oui, mais c'est ça. Ça on devrait savoir aussi. Mais bon, toi aussi ma côté mingi voilà tes pots. Et puis mon cannabis ça quand la problème bas statistique. Voilà. Comment va-t-on identifier une nouvelle majorité dans le cadre de l'Union sacrée de la nation tant que les gens resteront fidèles à leur parti politique? Question majeure posée par cet auditeur. Ndenge nini bako identifié majorité à Sika, Oyo Balobi, Kesalami, alors que président de la République, Aibisi Motona Motona, ba député ou va rejoindre l'Union Sacrée, Atikala na parti politique, ton regroupement naye. Motuna auditeur, na banza, et anona motuna na moto opesa yango, ezande informateur, hein, oazo banda d'ailleurs, moussala officiellement lelo, diye moutaro, ako, ako résoudre énigme to équation wana et puis mouta ropé sa biso ba élément essentiel parce que tout ce qui peut être dit aujourd'hui autour de ça ou sur cette question ne sera que théorie. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas parce que Motoaza élu na liste boé na enfin je ne sais pas. Tant que Union Sacrée sa plateforme était et zaka dynamique. Ça c'est une très bonne question. Je peux vous assurer que Toro Sala va émission vraiment. D'ailleurs, c'est la soir, question qui revient. Ce soir, c'est la question qui revient souvent. Ce soir à 19h, mais on ne pourra pas lui poser la question. Au Tunakiango, la Félix Kabang et Numbi. Oui. Au Tunakiango, la bande professeur Mbata. Mais ce soir, nous allons recevoir les premiers acteurs annoncés de l'Union Sacrée. Tokoyamba MLC, Tokoyamba AFDC, Tokoyamba P. AFDC Europe. AFDC. Donc AFDC au Bazar Akati. Ah oui. Mais l'informateur, il est AFDC, non? Oui, mais justement. Mais je dis, la justice a donné raison à celui qui est aujourd'hui informateur. C'est Yangon Nalobi. AFDC Zara Moko. Mais Steve Mbikai, Nakotuna, moi je ne peux pas aller à l'encontre de ce que dit la justice. Ok. On a dit que, puisqu'on parle de l'Union Sacrée, on parle de l'informateur, et j'ai dit ceux qui vont participer à l'Union Sacrée, j'ai bien parlé de l'AFDC. Audio le Zolo, on coûte 100 journaliste. Non. Tu veux m'embrouiller? Je vais recevoir MLC, la FDC, MLC, Ensemble pour la République, AFDC, AFDC, na XFCC.
Okay. Non, 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 oh là là, FCC, c'est habité. Oui. Là, bah oui, FCC. Mais bah, côté, côté. Bah, côté, il n'y a pas. Voilà, voilà. Maintenant, il y a un cas, c'est un jour. L'habité. Eh bien, on dit, papa, laisse découvrir tous les jours. Aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui le sport c'est, passe déjà. Oui, aujourd'hui, ouais. C'est. Dieu donné, Bolingue Tengue. Il y a Zali, président, il y a groupe parlementaire, MSG7, Batouya Moïse. Katumbi. Donc, tout naïe, pourquoi Bakoti tatatatata. Parce voilà. Que ma député à Moïse Katumbi, ma député à ma regroupement naïe. Bakoutane déjà. Samedi. Et la minute où tu as un MSC Bazan à ma solo. Oui. Jean-Pierre Bemba, pas au consulté. Depuis le député. Il y en a un là-bas. Et lobby. Il va falloir, j'espère, t'en as là, Bango, ou alors on sera avec un ex-FCC demain, ou alors avec un AFDC. Mais l'AFDC n'a pas de mingi, modeste, bah, il n'a pas de ce qui, bon, enfin, trop tard, mais il y aura quatre. National Way 4. Et puis après, t'auras un bandé, bah, religieux, na communauté internationale, et salut à qui, voilà, Bango. Toujours bon. Boulot. Toujours félicitations. Courage. Courage. Mon tour à mon sousou. Bah, policier, na Nyangwe, na Mouchi. Bon, na pessi, bah, information, na commissaire provincial, na Nyangwe, na Mouchi. Bah, zo bote, bah, vantaba, bah, soso, bah, zo tumba, na 20h49. Fomoni. L'auditeur a décrit la scène. 20h49. Zé là. Auditeur a décrit la scène. Bon, moni, tant on couvre, fait, bah, les bandits, qui ont zo tumba, tumba, zo tumba. Soso, yebake, voilà. Et voilà ce qu'on a dit, bah, et au bout de la vango, bantabana, bah, soso, bana, ou tumbana, na ba tono, na 20h49. Mais yozo tumba, pour ça, naoni. Ouais, bah, enfin, il faut dire à l'auditeur que c'est la montre du policier qui fait foi, hein. Je suis désolé. Il y a Talib montre, là, on dit 20h49. Ça tombe, la montre, depuis, il y a policier recouvert déjà. Mais la scène, enfin, j'ai dit ça pour rire, hein. Parce que scène est sexy, maman, que j'imagine un peu. Et puis, binopé, bah, tu tumba, taba. 20h49, ozo tumba, pote, que la nani. Pour dans 10 minutes, couvre-feu, bandit. 20h49. Transport na kinkole et komi passe mingi à partir ya 20h. Donc bateau au baza kotoyo pour ba kende kinkole. Et comme il passe coupon na bango kozo transport ba zote man barré ti ba 22h ba 23h pour nani ni pour mituka. Soki na ba 20h wana me ba kinkole et zo banga na retour et kangama na ba barrière pour na couvre-feu. Logique. Et ndeko yo a ndeko moso ba Kabila kende ko sa nini na Lubumbashi. Toza la posa azonga na gisasa et tout ça. Quoi ça ni? Moi je crois qu'il faut juste rappeler le principe. Message ezoya mingi na répondeur, je crois que semaine passée payaki. Il faut juste rappeler à cet auditeur et à tous ceux qui envoient ces messages qui interpellent les présidents et ça la kazonga que ça ni za clarté que Joseph Kabila aza libre de tout mouvement. Ba na yo kite ba kangie na yo kite ba pekisi abima a moins que za la zana manda mo boye ka obimate or to yo ki angote so to yo ki angote a ko lo Lubumbashi a ke goma a ko lo goma a ke Ituri a ko lo Ituri a zo ki di sasa il est libre de circuler alors après je ne vois pas pourquoi sa présence en dehors de Kinshasa, mais en République démocratique du Congo, et Sengeli est poussé, bino, bosenga na mokonza mboka, aebisa ya zonga na kisasa. Non, il est libre de vivre où il veut. Tant qu'à la République démocratique du Congo, et même ce qu'à l'inga bima, à quoi bima soit l'ingé. Donc, tous en tolérance. Il est président de la République, il n'est plus président de la République, il parle où il veut. Aza citoyen congolais, aza sénateur, donc aza libre de mouvement. À partir de ce moment-là, Borouye qu'on a imposé été. Donc, on a imposé la zone, la zone qui s'est faite. Couvre-feu dans le quartier Ezalité. Bato bazo vivre normalement. Beaucoup de témoignages à ce sujet. Et je le cas de l'auditeur, il y a un message dans le porte-parole à la police. Parce que, enfin, na, numéro 1 à la police ville de Kinshasa. Parce qu'effectivement, la police semble être plus concentrée. Sur la route. Kasi na ba quartier. Je suis désolé, mais bato bazan na bango bazo vivre na bango. Il y a la quartier abino. Mais si. Bato bazan na bango.
Bato baza mon mususu kuna na kangami na embouteillage makasi na nguma. Tiba 23h moins. Hein? Oui. Embouteillage ezaki semaine passée je crois Tonini. Na bimi na koti na nzela couvre-feu. Après le baki o. Voilà, c'était avant. Oui, voilà, c'était avant. C'est consulté. Non, ça c'était un autre jour. Genre mon tout azo kita o ki mambango. Eh, ma police bazoya bat bakimi. Mais c'est valable dans tous les quartiers, bande ko babi na mombele, ndé ko muso babi na ba quartier mingi na kalamu et tout ça na ba quartier, bato bazana bango comme si de rien n'était. Et nous avons joint d'ailleurs le commissaire provincial pour lui transmettre les messages de ses auditeurs. Conséquence Nango, Kuluna Makasi, conséquence Nango Nangaba, Nanjili, Namombele, Kuluna Eza Makasi Penza, et Songi Makasi. Parce que les policiers ont besoin d'attention plus na Banzela Aminele. Les solos à Ram. L'auditeur nous interpelle encore ou interpelle encore l'autorité. En tout cas, nous interpeller, c'est nous interpeller à tort. Mm-hmm. Puisque Bissot, non, on va interpeller Bissot. Ah, ok. Mais bon, le roi, ceux qui va interpeller l'autorité, que Bissot au côté, on a un autorité, ça veut dire que quelque part, ouais, il nous demande de faire quelque chose. En tout cas, un magi ministre qui bat ça. Au Salaki, en gros, déjà avant Ebima, parce qu'à ce moment-là, on avait encore la vue sur ce qui va se faire. Et je suis au regret de constater qu'à ce moment-là, réaction, ils allaient comme inguité. Cet auditeur déplore le fait que nous soyons tous partis, parlons-en et le débat, pour deux semaines. Arbim Balayasima, Tokendelisus, Bongote, Mokwa Kene, Mokwa Tikala, tout ça en est, Iba Minganga, Basalaka, Ata Ndamboke, congé, service minimum, mais ça, Kaka, Pototika, Ibango, Kwa Banamawa. Question directe, satirique. Non, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à qui? Ce qui s'est passé, c'est une tradition, non? Hein? Okay. C'est une tradition. Le 8 a changé de tradition. On verra en décembre 2021 ce qu'il en sera. Pourquoi Vital Kamerhe n'est pas libéré alors que l'ont été ou ont bénéficié de la grâce présidentielle? Merci Didi de nous avoir épargné de cette publicité gratuite. Pourquoi Vital Kamerhe n'a pas été libéré? L'explication qui nous a été donnée, c'est qu'il n'a pas été condamné définitivement. Or, comme il n'a pas été condamné définitivement, il ne dispose pas d'une condamnation qui peut être source à tout le monde. Le quoi la zoaki condamnation définitive té? Le quoi la basambi siko? Le quoi la nina dossier na essine na noté? Moyen ba bimisaye zala kite po ba bimisika abato baza na condamnation définitive. Pona nini pendenge nini konome premier ministre alors que union sacrée za coalition té? Bon, ça revient à peu près na question wana mususu wana. Voilà, on aura, on espère, les réponses à travers les émissions spéciales qu'on va organiser. 085 210 11 11 Toko bana émission Nabiso Tolanda Souba message au boutique qui la répondeur. Allô Top Congo, Jacques Zola la Gindele, nagina loba situation na biso mabulu awa to mona ki cardinal Fridela Mbongwa yaki, mais li loba SNC ke ya o kenezwa président toka kolinga po aya kotala situation ya koto, mais di loko nyonso za eza ele ka ba présidenté, gouverneur il y a vu le Kinshasa. À ce rapport, il faut bien avoir battu ma boule au bouca. Il y a une boule, c'est à peu près 4 km. Banda que coule la boutique et que les pays, là, c'est tout à fait. Mais il y a des jours où on s'en va à 4 aux Olamois pour déjà siège à Sénia et Kéi. Bonjour, je suis de Baboko Tsaranda pour le gouverneur de la ville. Ah, Kalami, il dit, Chani Zobanda, il siège. Bon retour à Bino et ma bonne année à Bino Moussala Malamba. Les années de Kotichik Bomoui, la Bengi Bino depuis la commune Angaliema, précisément la Sola. Papa Thierry, s'il vous plaît, Yébisanganalo. C'est la réponse à la question de la Tolanda, moi, l'histoire de Mboka, papa Tshisekedi, le père, a été le premier ministre de Mboka, moi, le bélé. Et il y a un moment où a nommé après deux jours à l'Ongolier. A nommé après deux jours à l'Ongolier. Il y a un moment où 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 il y a un mo
président Mobutu a retiré l'ordonnance. Donc, il y a un mécanisme qui est en train de se faire. Il y a un ministre. Donc, il y a un ministre. Il y a un papa Christian. Émission mémoire et Kobanda. Papa Christian, Papa Lusakweno, bonsoir. Bisoawa na malweka, tokomine titozali na beni. Batu ya sekirite ou mazali na zambandange, bazali kwaleve batua wandenge ya kosakanate, masati ezo beta maloko la suki toza na beni. Boko tisangayi nanda kubu ya ministre ya interior. Atala likambo yo oyezali koleka na capitale. Bonjour le débat. Ngai JB na Bengio na secteur ya Dongo na province ya Sidoubangi. Oko tsangai na gouvernora ya Sidoubangi. Est-ce que méthode mususu oyo ya ko percevoir ba taxe égalité kaka atia barrière et puis chef de l'État à cette conférence de la gouverneure, si vous voulez interdire la barrière. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de vivre dans le pays, nous sommes surtout dans la RDC, pour la barrière, à ce moment-là, il y a une taxe. Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de vivre dans le pays, dans le secteur de Dongo, précisément dans le territoire du Congo? Bonjour, Top Congo FM. Bonjour, na balandinyo sur l'émission, les débats, na ba participants, nous sommes. Comment nous avons donné à chez nous depuis Kimbasiki? Oui, tout le monde a émission les débats parce qu'ils ont été financés là. Dernièrement, Bouyamba qui chef ya OVD, à la Kaki Miso, Baroya, pour boire Kamabanga, na Kimbaseke, na route à Kimbaseke cimetière, tout le monde, Mabanga, Pébatango, et transport, et comme ko kozala moi, malam. Mais, et l'autre, ça ne se passe pas, si ma commune, député Moko, a joué l'autre, et en communauté, il y a une banderole. Mais si yende mutu asali musala yango au moment où biso awa na Kimbaseke ti lelo Thierry Kambundi Christian Lusakweno si metera Kimbaseke si lina kosila bazo teka yango chaque jour na pasi na mutema. Bonsoir Top Congo, vous allez là toujours auditeur Nabino Jigol Baba. Ma bengi boy pour notre nagaka, ma 24 novembre, siège à ADRP, dans mon balongo de Bakyo Chapita. Est-ce que ADRP mobilise la FCC définitivement tous quelques membres de la Longue? La photo Nyonso et Kabila Zarakana Balongo la Nyonso. Bonsoir les débats. Bonne année 2021. S'il te plaît, Christian Lusakweno, na Thierry Kambundi. Pardon, bon répondre ngai. Na lobby boye. Bon lobe la biso pardon, matriculo à 2018, na ministère de l'Intérieur, na secrétariat général. On a blocage moko ko sakanate. Bon lobe la biso. Le tilelo ko banda 2018 tilelo ni condition d'affectation blocage to kotisi ba kise de réception ba lingi ko répondre bisote to ko suka wapi tire kambo na Christian Lusakweno bino batu bokenda ka ba poto est ce que zala ka bon l'état pe akuna sala ka ba jana ebongo ke depuis 2018 ti 2021 ni prime ni salaire ni commission d'affectation to zoki de musala nzala ba affecté biso mais ni condition d'affectation. Tu es bipété, prime na salaire, tu es en train de vivre, tu es en train de vivre. Allez, Sika, journée malamu, moussala kitoko, ni bunyon, soro, bobandi, moussalo, et odon. Les oeufs et des visos à Congolais, vraiment, ma casse, donc. Et on a fait ça, nous avons félicitations pour Ninga Golobeza, mais tendez. Donc, moi, difficulté, ça y a pour Kotaka. Pourquoi tu as la monnaie pour tous les auditeurs et bélé vraiment, donc moi je suis condamné à te pour avoir l'occasion de te faire. Moi, souci, c'est que je suis en train de faire des Congolais pour réfléchir à ma maman, en tout cas, papa Christian, papa Christian, papa Thierry, bon, mais quand on a le Alicambo, très très bien. Vous aurez remarqué, ma église est ouverte, ma supermarché, ma marché, ma macabre bélé, bélé, mais ma école. Parce que suspendre ban on a besoin de contacter. C'est vrai que bon la pandémie, malade des alliés, bah mes îles barrières. Top comme on coûte, on a évité ce tour là. Vous avez quantième chaîne en amont du bolo, mais là on le colle à bino boy. Donc vous offrez ça matin à l'état en tant que loba. Vous offrez avertir biso. Mais gouvernement il m'occupe en soi. Alors vous offrez précaution. T'es négligent ban on a besoin de contacter. Ban on a besoin de contacter. On a besoin de décalage. Bonjour le débat. Ma bing bino na Dongo, na secteur Dongo, na territoire Congo. Province à Sidoubangi.
botune la biso boko tsanga na ndaku ya gouverneur ya ville centre ville Kinshasa toyaka wana biloko ko na intérieur do futa manutention plus ou moins 6300 mais na 6300 do futa musama osala makate tozo ba porter mususu ba kumbe so biloko se biloko bombongo wana to futa na 6300 ya nini batali ligi moko ezala ba matere ezala so ba nani ba sandi wana précisément na libongo lo mata mabongo tu wana mbongo wana to futa na sa musama moko te zosuzu ba dozoa charge ya futa su ba porter ba musa biloko mbongo ezala musa nini Personne n'a pas de problème. Honorable Mwindu Nzangi. Bonsoir, honorable. Lobby, lobby, mission, biki, pour son exemple, aigle, maté, fallo, azonga, aya, na bino, a région, régine, na union sacrée, na bino. C'est l'obino, jusqu'à l'heure, comme union sacrée, c'est ce qui, maté, fallo, a yé, pour n'en descendre comme union sacrée. Boutique, à ce qui, le lobby, soba, congolais, tout qui, c'est comme aigle, parce que, asa, visionnaire. Yi amuni diana musika ebi ke loka malonga kumeza ki yon egle asangi. Bo chika egle asanda kimye pa si istwara, istwara kongo nyo seze pa na ye. Bonsoir Top Congo. Ezalinga Jugol Baba na bengi bino apatia komi na gombi. Kuti sangai nanda kuya president de la republik. Kokoko, bonsoir papa. Na lingina eba. Yo ulubaki yo sakre. Dali parti politique T, non plus plateforme. Sukoyo, osi bat le kwevo au PCM mission, ak n'identifié majorité na parlement. Soki azu majorité wana, azungi pa na yo, pou na yo, je vous constitue mine. Merci. Bonjour le débat, ça tombe belé à moko yo, tout le monde a une solution. Pourquoi tu l'angai, ou pingi l'angai, responsable de service orage énergie. Oh ya shop ya masina. To futa bambongo na biso depuis mois de septembre. To kokiti 5 mois. Kabinisa kakaka biso. Mboka ango eske batamu saka ango bongo papa chiri. Pardon papa Christian. Obengi langa moko ya orage energy. O ya zo sana service orage energy ya masina. Obenga botune la biso. Siko mbongo na biso kende kabuyi. Pakarne bapesa biso tuzana ango. Toko sala ndingini. Otozo kena shop. Bazo pasa biso kaba rendez-vous. Bonjour le débat et respectable na moka oyo. Soto zo bakeno même Félix arrivé na pa yen na pouvoir. Rien ne change, continuité, et à Joseph Kabila, tout le monde n'a papa. Parce que, il y a des gens qui ont été en train de par rapport à mon amour et à couvre-feu. C'est-à-dire, virer sur les eaux circulaient de 21h à 5h du matin. Parce que même, boutique va église, boutique va bar, même si on va dans la boîte de côté de Cambodge. Si quoi, ou en a virus. Exactement. Si quoi, on devrait retourner là, on dit c'est qu'à bouillir, il y a une fabrique à rabattre. Parce qu'on a dit que non, c'est faux. Et là, on a dit que c'est un peu comme ça. On a dit que par rapport à quoi. Jamais à Kabunda, c'est un peu par rapport à quoi. Bonjour les débats. Bonjour. Na linga kina bo pasko tana na kuya gouverneur de la ville Jean-Denis Ngobila. Ba kamion o ile kana ba matiti ba poubelle wana ba matiti wa ngobwa kana butu. Ba ine ba désert. Ba kamion na soki ile kina butu na sendwe. Na boulevard. Ba matiti nyo ce soki ndi lokota. O place zui wana e bwa kyango nzela. Soko ko ile kina sendwe. Salite. Comme on a dit, il y a un gouverneur de la ville. Après, ça a dit sur la force de Kambouana. Pour tout le monde, on a clair de se sauter. Nous avons une salité. Je suis un peu plus de temps pour le Congo. Je suis un peu plus de temps pour le Congo. Je suis un radio mondial. Le Congo est une radio où il y a un peu de temps. La radio news. La nuit, est-ce que papa Thierry n'a pas fait un peu plus de temps pour beaucoup de temps pour le Congo? Il y a 5 minutes, il y a 8 minutes, Mogo, pour la information africaine ou internationale. Parce que les radios, tout comme le cas de la radio, tout comme la raga, il y a où. Alors, on manque un mot pour l'information africaine, l'information internationale. Parce que vous savez, sur moi, il faut opter pour que tout quoi vous soit atteint, il faut que la R, Mogo, 5 minutes, 8 minutes, ou les agents, 8 minutes.
information pour les amis internationales. Et puis, nous avons fait la théorie pour ma moule au Saint-Génan pour le Nyokoli. Papa la biso, on y a colis papa la biso ma mère. On y a colis papa la biso ma casse pour la. Minga ebi n'y a la te, minga ebi kishasate. Je sais pas pourquoi je mets le casque, ça marche pas. 085 210 11 11. Merci à vous, merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Toton di bino là-bas, message au botin di biso bele 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 bele. Tokoyo kasu ba message d'abino. Lobby Thierry Kamboudi. Biano na mituna. Heureux anniversaire à Christian Nzaou Lembe. Ah, tout seul, Bakit. Ouais, joyeux anniversaire, ouais, là. Auteur. Et salutations au président Chiquito Mouchachino. Encore. Fidèle de téléspectateur au Sarana. Il faut payer Sarana pour tenter d'y avoir. Et l'auteur. Okay, bon. Et l'auteur. Okay. C'est bien, sympathique. Dans l'Andarabiso. Dans le bateau, nous sommes dans l'Andarabiso. À l'époque où Mobutu nommait et révoquait Étienne Tshisekedi, c'est lui-même qui démissionnait ou on retirait son ordonnance. Ndeko atuni atuni on a lingala. Alors faut voir ça ndeko zali que constitution ou alelo ezala ki constitution ou à époque wana te. Na époque wana déjà et puis muto abandaka ou bunda ba pouvoir et chef de l'État Kita ba ou ya premier ministre Matezaki Kondo Étienne Tshisekedi. Donc période wana la première fois l'heure à Longola qui est pour na il a, à Longola qui était on avait annulé l'ordonnance parce qu'il a raturé pouvait être un prétexte d'annulation voilà effacer qui a baraki place Mokoboué. Oui, à Paraki, justement, quand la Makamouana, que le Premier ministre devait au président de la République, à Linga qui a monté. C'était terrible quand même. Devant les chefs de l'État. C'est parce que tu crois jurer fidélité ou attrique au président fondateur. Au gros, ça est loco, mais j'ai vu la vidéo, mon bout à Vandiwana. Il y a Vandiawa. Azu a barré. Azaki Azaki ouais. Donc à l'époque président Mutabana a nommé premier ministre. Voilà. Donc ils ont le rôle à l'élote. Mais c'est Yango enfin, Nani, c'est pour ça que l'élope est président nommera mais qu'au démettre à Kokite ouais. Ouais, c'est ça. Non, il peut, démission. Mais seulement ceux qui vont présenter des missions oui, tôt. Oui. Bon, enfin, parce c'est que c'est le, c'est le président qui démet, hein, oui. Mais à deux conditions. À la condition que le Parlement les démit, parce que le président aussi nomme les gouverneurs. Mais il nomme pas les gouverneurs, il y a les mokos. Il nomme les gouverneurs. Au bazar. Au baponi l'assemblée. Non, ouais. Et Kolongolaye, ceux qui. Mais Kolongola gouverneur, le président peut. Il peut parce que c'est une disposition. Et Kotaka, dans 2008-2009, et Kotaka après, dans la constitution parce qu'il y avait trop de il y avait souvent des bêtises et qu'il y avait des conditions attention bah conditions pour la gouverneure Ezali bien déterminées dans un la dignité mais le président ne peut pas parce que c'est pas l'une Thierry Kamoun dit gouverneur il y a Kouilou il y a Kwango c'est en cas de préciser dans un cas bien notamment le cas à l'Équateur je crois avec l'ancien gouverneur ouf, à côté pays du sacré, Nabosa Nikobuna. Oui, à côté du sacré. Oui, oui, je vois. Bah, Longola Ka est pas président. Je vois de qui tu parles. C'est le seul d'ailleurs au président Longola, l'ancien gouverneur. Il y a Équateur, ex-Équateur. Ma format, il y a 11 provinces. Émission mémoire, Erobanaka. Alors, je vais être sincère avec vous. Tout dépend du directeur des programmes. Et je fais pas de la nini. C'est vrai que le directeur de programme, il faut attiquer à la directeur général, il y a Top Congo, directeur général à quoi valiser, et à partir de là, Barobanda. Mais Mikolo, nous, c'est Kangami à niveau Moko. La flèche est partie, elle est revenue. Et Kangami na Moutou Moko, et Kangami na rédacteur en chef, parce que rédacteur en chef, là, si Kopé sa Nyon sauté pour directeur de programme, Aya Kopé sa directeur général. Là, on paie sa maman mission mémoire. Là, attends, comment non? Oh. Mais c'est moi. Non, c'est moi. Non, mais j'ai bien dit. Fonctionne émission mémoire et Kobanda avec le nouveau programme. Mais c'est, le nouveau tout programme. Ce qu'il faut dire. Mais non, allons bien. Mais si, papa. Il faut. Moi, je suis un homme. Je reste sur les principes. Mais fou d'arabe. Le principe d'affronter. Faut des arayos t'es capable tout. Non, faut t'y engager. Mais faut t'as beaucoup. Faut t'en aide. Est-ce qu'il y a une erreur? Il y a pas de faute. Non, j'ai dit. On va avoir un nouveau programme. Le nouveau programme, le rédacteur en chef doit donner la part de la rédaction.
quand la part de rédaction est connue et puis que la directeur des programmes, directeur des programmes Ayelango n'est pas la directeur général, c'est au mois de janvier, c'est promis pour le mois de janvier, ça sera au mois de janvier. Toi la décembre après. Et le premier, non, le mois de janvier. Ouais, et le premier invité de mémoire, c'est Jonas, le patriarche Jonas Mukamba Kadiatanzeba, qui a d'ailleurs fêté la semaine dernière ses 90 ans. 90 ans. Basé Belé, hein, papa Azak à mon côté. Il y a aussi Monsieur Dia, un des cofondateurs de l'UDPS. Yepe Azali prévu n'a pas invité. En fait, et aux mémoire Azali, à un moment donné, participa na évolution Mboka. Baza Batouya Kala. Ils incarnent l'histoire. Mais quand je dis Kala, ce n'est pas forcément l'indépendance. Mm. Parce que si on parle de Jonas Mukamba Kadiatanzeba, c'est un des pionniers de l'indépendance. Mm. Parce qu'il y a Zalani, il était même, quand le 14 septembre 60, le maréchal Azouaka pouvoir, il était même membre des commissaires généraux. Mm. Mais donc, Ezali na politique, mais Kaka na politique, t'es. C'est vrai qu'en politique, il y a déjà des gens qu'on a ciblés. Mmh. T'as ciblé Jonas Mukamba Kadiatanzeba, t'as signé M. Dia, t'as signé Léon Kengwadondo, t'as signé Mama Catherine Zouziwambombo, t'as signé Papa Panum Bibanda, t'as signé Mwaming. Mais aussi en musique, par exemple, Jeannot Bombenga, Koyo Kaye Kozale Lingimingi. 83 ans. Ah oui, Koyo Kaye Kozale Lingimingi. Si Soki Batsoumoussou Bazala Kanati Papa, si Maro Lutumba, tout ça. Ça allait être un bon candidat. Mais il y a aussi des plus jeunes. Par exemple, Sotolobi Makambo, si on veut savoir comment, par exemple, le pouvoir a basculé, on peut aller voir Bato Bassana Mobutu. En 96, comment, en 97, comment Maréchal Mobutu a perdu le pouvoir. On peut aller voir, on peut mettre Monsieur Didier Moumengi, peut être aussi un invité de mémoire, parce que lui, il était à la réunion qui avait décidé que président de la République, sera Laurent Joseph Kabila. Et puis, on en a d'autres mémoires. Papa Wassamberg, Papa José, 82 ans. Sa mère, 82 ans. Fier de l'avoir. Tous les dimanches, Babette et la Bissonnal dit solo. On parle beaucoup de l'indépendance aujourd'hui. On est tous fiers d'avoir l'indépendance. Mais à l'époque, les gens vivaient mieux qu'aujourd'hui. Et je peux dire que j'avais déjà... Poser les questions. J'avais le 30 juin 2010. Je m'en rappellerai toujours. Ce jour-là, j'ai eu l'honneur... avec Freddy Montiri, que je salue, d'avoir autour de la table, dans le cadre d'une émission spéciale Parlons-en 30 juin, Papa José Wassamberg et Papa Antoine Macky. Je peux vous assurer, Parlons-en Bana depuis août 2007, c'est parmi les meilleures émissions. Oui, on a ça là. Kobeta les solo à Papa Wana. À l'époque, ils avaient cinquantenaire, hein. Cinquantenaire indépendance. Donc, il y a la matière pour la voyer en mémoire. Mémoire, ils ont une émission mensuelle qui sera radio et télé. Et Naba Télévision, elle sera un peu plus mensuelle. Pourquoi ? Parce que Naba Télévision, pour la version de télévision, on va devoir chercher des images et ce sera un peu plus compliqué que la radio. Mais voilà, et ce sera au mois de janvier. Le premier invité s'appelle Jonas Mukamba Kadiatanzeba. Namalueka, toi, sécurité au Bazali, na Zamba Yandangi Bazali, quand enlever Batou, a interpellé la police. Sudoubangui, il n'y a pas une autre méthode pour le gouvernement percevoir la taxe car il a érigé la barrière à l'obiazan dans le secteur il y a Dongo, dans le territoire il y a Congo. Alobi kuna ba barrière et les kimingi bazoko ata outi bilangoye il faut foutre la taxe et tout ça alors que à la nagi na top Congo la conférence des présidents, conférence des gouverneurs outeg aussi là. Président Ibsay Bango ba levé ba barrière mingi kuna na ba province na Bango. Donc interpellé gouvernement provincial ya Sud-Ubangi. Gouverneur ya Kinshasa peut ba interpeller un peu plus tard na Mutumusu Sud-Ubangi alobi tant ba même marchandise na Bango ba komara awa na Kisasa ba senga Bango parmi ba taxes ba senga ko futa ba futa 6300 francs ya manutention. Mbongo ane ke na rawa pi po Bango ba zora ba porteur na Bango. Pour babimisa biloko na bango libanda donc motuna mususu na OVD alobi ndenge déjà la kakia ba boaki effectivement mabanga na nzela ya kimbanteke mais député moko asali récupération politique atie ba banderole comme si yemuta sala kiango motuna mususu ADRP nyonso balongwe na FCC topeka quelques membres pour ba moni na siège na bango balongoli ba photo nyonso ya ancien président Joseph Kabila.
question directe. Matricule de Bandeko à 2010. Bazoï matricule en 2018. Le ministère intérieur, le secrétariat. Réponse T, affectation T, prime T, salaire T, Bazali Kolila. Orange Énergie, Namasina, Batouba Futa Bambon, on a bango depuis septembre 2020. Tilelo, Baoko Tsela Bangka Energie T, Ponanini, Balelipe. Gouverneur, où sont passés les balayeurs? Car Kinshasa devient de plus en plus sale, notamment à Sendwe. Et puis à Sengi, le gouverneur Ngobilake, Mituka Oeleka, pour le Kenero Bwaka, Bosoto, Naba 1h, tôt 2h du matin, Bafinikara Bosoto, Naba Finikara Babash. Parce que tant que les Kabongo sont bâches, les autres sont en Zela. Pour la ligne Augustin Kabouyana, Jean-Marc Kabound, Bazali Kotambola, la garde républicaine. Christian Sakouen. Hein? Ou Kimi? Ah, la Kimité, mais n'avait que Yo Bengi Bango, donc. Non, j'ai appelé Augustin Kabouya, qui a assumé, comme il a assumé d'ailleurs sur un plateau de télé, qui a zan la garde républicaine, et ça parce que. Bah, qu'on dit à sécurité, bah, estimé qu'à Sengeli, qu'on a la sécurité. Garde républicaine? Oui. Mais les civils, sauf le président de la République et sa famille, les civils devaient être gardés par la police. C'est ça, justement. Là où, le couac, il y a un voilà. Parce que garde républicaine, ils ont une unité spéciale. Il y a armée. Ils ont commis la sécurité, il y a président de la République. Et de la présidence. Voilà. Donc, même le directeur de cabinet du président n'a pas le droit, je crois, à la garde républicaine. En tout cas, il a assumé, il a dit que ce n'est pas lui, c'est ma service, ma lobby, et Sengeli, dans le contexte de Tambouanango. Bon, c'est ça. Montouna Yasuka, topé ça, recommandation. To zongi sana programme asika actualité africaine actualité internationale ezozanga mingi na ba programme. Merci beaucoup, une recommandation qui va être suivie d'ailleurs, qui a été prise en compte. Maintenant ce sera à la matérialisation. Rédacteur en chef Thierry Kambundi, enfin non, rédacteur en chef. Pourquoi pas aussi inviter Eddy Kapen dans l'émission Mémoire, message SMS qui vient de tomber à l'instant. C'est Bandi, mais oui, ça vient de tomber. Pressé, hein? Non, ça vient de tomber. Oui, pourquoi pas Eddy Kapen, qui ne s'est pas exprimé du tout depuis qu'il est sorti. Pourquoi pas Eddy Kapen? 085-081-770-70, numéro WhatsApp. Dans quelques instants, Tokotang a un message Nabino. C'est spécial, dernière partie. Uniquement vos messages, ce sera du direct, du tac au tac. Pour Bo, tout Nami, tout Nabino. Nao, aussi Boyo qui pendant l'émission. Nao, Boyo qui était l'information. Nao, Boyo qui était Naba message. On répond à tout ça après les principaux titres de l'actualité. C'est tout de suite. C'est Mami Chela Bamoubile Badi Banga Catherine qui est à la présentation. On vous retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. 085-210-11-11 085-210-11-11 À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président? H d'info sur Top Congo FM avec Isabelle Mwango. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le questeur adjoint de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale sera fixé sur son sort ce lundi. Les députés sont en plénière pour poursuivre l'examen de la pétition qui le vise. Son cas n'a pas été examiné lors de la dernière de la plénière du 10 novembre qui avait donné lieu à la destitution d'autres membres du bureau Mabunda parce qu'il était hospitalisé.
Top Congo. Libération du DG de l'OVD, celui de Sokok, la CAGE et d'autres organisations qui luttent contre la corruption viennent de saisir le procureur général près la Cour de cassation en vue de l'ouverture d'une enquête. Selon Maître Georges Kapiamba, qui suit de près ce dossier, les auteurs de cette libération qu'il juge irrégulière doivent subir la rigueur de la loi pour faute grave. Top Congo. Le collectif des ministres provinciaux de la RDC s'insurge contre le budget de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Selon son porte-parole, cette façon de faire est une grande injustice. Hilaire Kazadi voit mal qu'on paye mieux les nationaux et rien du tout pour les provinciaux. Top Congo FM. Marche de protestation ce lundi à Kinshasa, l'initiative des étudiants de l'université de Kinshasa. Ils réclament la reprise des cours dans les instituts supérieurs et universités. Les cours, vous le savez, ont été interrompus afin d'éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Top Congo FM. La RDC, classée premier pays au monde affecté par l'insécurité alimentaire aiguë. Plus de 21 millions de personnes sont concernées. Ces populations en situation de crise et d'urgence se trouve principalement dans les régions affectées par des conflits et mouvements des populations et des épidémies. Les provinces du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et du Kasaï central comptent le plus grand nombre des populations confrontées à cette situation. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, sur la situation en 2020. Top Congo FM. Ainsi se referme ce flash d'informations. Retrouvez juste après nous la dernière partie de votre magazine Le Débat avec Christian Lusakweno et Thierry Kambondi. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par EasyChat de Telegram et Equity Bank Congo. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. À quelles conditions Moïse Katumbi Tshisekedi pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi réalise-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetengue. Vous avez un avis, à thèse,
Antithèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, Tinga Mutuna Zando, Asomelo Radio Mouke, Ochana Biro na Eton Andak na Yomoko Yokaka, Makambo Oyo et autres services. 11h30. Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé, Poto Yoki Binoba auditeur. 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala Kito, Ozali Peto, Ozala Kakanabino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule Asika. 11h30 dans Linga, les amis. Ah, Thierry, changez à Tamboulo Yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où il y a une possibilité de reprendre. Merci à vous d'être toujours avec nous, encore 21 minutes ensemble. L'émission Le Débat avec... ça a marché, j'avais pas de problème. Voilà, nous sommes en direct donc avec vous. Et puis Thierry, comme vous dit, l'annonce pour demain. Hein. Pour l'instant, le questeur adjoint de l'Assemblée nationale dont on devait statuer sur la pétition a démissionné. Ok. Hein? Bozo s'est rappelé tant que salela qui va voter qui pétition à Missoussou Yazaï maladie, renvoie qui en plus tard et Sengela qui se rebasse là en lelo mais à Tindi Mokanda, na bureau d'âge a démissionné. Donc a libéré poste et Moko, bah voter les sous-souté, bah les canaba point Missoussou. Plénière et c'est bandit l'Assemblée nationale. Ah ok. Donc il y aura plus de ça. Il y aura plus. Début 2021. Donc, Isa et Banelamboulat, le porte-parole du gouvernement, Molobelia gouvernement, Jolino Makelele Diwam Povesa, ministre d'État en charge de la communication et des médias, sera face à la presse demain mardi dans la matinée. Et qu'on allait en direct sur Top Congo dans l'émission Le Débat. Donc, Bisson à 11h30 lobby, Tobandi émission, Toko Zalepaï, Molobelia Boulamatari, Akosakola, Sakola, Naba, comment ça s'appelle? Naba Panzi Sango, Bakobeta Masolo, Nyoso ya gouvernement en début d'année 2021, échange de Venoma Kamoussousou. Donc, vous allez en direct dans l'émission Le Débat, l'actualité politique démarre à fond hein, avec l'Assemblée nationale, mais aussi le gouvernement. Gouvernement Oyo. On avait dit que ça va s'accélérer. Donc, demain, on sera en direct. L'émission Le Débat sera en direct du point de presse, de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de la communication. Les médias porte-parole du gouvernement avec la presse en direct donc à 11h30 demain. Donc Rosala ou Atetoko Rosala Libana. Place au message. Bah groupe WhatsApp les ouvert. 081 770 70. Heureusement il va témoigner à Bazar à la salle. Sinon t'es bonjour, ma question est de savoir pourquoi vous n'êtes pas motivé à mobiliser les gens à respecter les gestes barrières pendant la deuxième vague comme en première vague, comme lors de la première vague, il voulait dire. C'est parce que vous avez compris que le corona est une arnaque. Message de Jean-Cy Andoulou Botembe. Lors de la première vague, Top Congo et Bimi Simbongo et Bélé, mobilisé Makambo et Bélé, mais la première vague, c'était l'inconnu. Sikoyo, Batouba Komikoye, Bamouke, Zalakandegenini. Mais c'est vrai que ça touche plus. Ezate, Kezaskit. Et Lokwaneza Mabe, Batouba Koufa, et beaucoup. Rien qu'hier, 8 personnes sont mortes en République démocratique du Congo. 8 personnes déclarées, ça veut dire Otoyebi. Bah mususu bozo comme on a zo kufa zo pe masu malamute oyebi te zo nini mutu mususa ko ba bwa ke li mpso ba ndoki o so ki nini maladi mususu akufi na corona baze bele baza okufa mokili mobimba na awa e pa na biso na République démocratique du Congo biso to salaki la fois dernière 12 so ki 13 chansons mais malo eza nze momoko to bandi la 12 heures boyoki ango lisusu ya bana parce que le mikolo eza mingi bana bazonge la classe. Bon, c'est vrai que mikolo bazo sala zute, mais il faut vraiment que on mobilise les enfants poto e komona que bino bakolo soki bino bakolo bazo koyebisa bino kaka tembe o ezate o boy o boy o boy bana na bino bate ya bino, ça serait déjà pas mal. Et puis bana na biso bazwa conscience que elo Congo ezanini bango bakobela kate au moins ou bien bana balobaka ka moi moka beta mbona moko pa vina donc voilà. Bana baboti voilà. Nzem bango boyoka kango biso pe tozali
instant coronavirus totikate, c'est vrai qu'on on a appris à vivre avec liboso zaro banga mingi. Siko tokoma ko banga moins, mais ça veut pas dire que c'est pas là. Le coronavirus est bien présent d'ailleurs cette semaine tokoza sou na émission spéciale. On a dit demain on tenait au point de presse du gouvernement, mais cette semaine on devrait avoir comme l'avait annoncé Thierry Kamboudi la semaine dernière, on devrait avoir une émission spéciale avec la riposte pour nakoye ba tokomi wapi parce et que très prochainement on aura une émission spéciale ouais, parce que Batouba Koufa Mingi. Voilà. Bonjour le débat. Le gouverneur qui a été déçu par le président de la République. Jean-Claude Bahende. Oui, c'est Jean-Claude Bahende. Merci à vous. Daniel Komba depuis Gemena. Merci à vous pour le message. Bonjour Top Congo. Ngai Belar, na commune Yansere, na Bibo, Ebiso, Toza, na quartier Badala, Badara 2, na Kati Kati, à deux camps militaires, Seta et Kibomango, Mikondo, ça fait 10 ans tout ça la courante. L'État a bossana bisoté. Message SMS. Bonjour Top Congo, dans la province il y a Sud-Ubangi, dans le territoire il y a Boudjala. S'il vous plaît papa Christian, est-ce que Zali interdit pour la moine à 18 ans comme ma moto? S'il vous plaît papa Christian, j'attends la réponse. 18 ans à Koki Komema, mais Sengelia Zalana permis, parce que pour toutes les motos de plus de 125 cm3, je crois que Zandege Moko à la Congo, pour toute moto de plus de 125 cm3, il s'engeli Azalana moto. Pourquoi vous n'avez pas permis, Pourquoi vous n'avez pas. Mais 18 ans, il peut, parce que. Mais 18 ans, il peut, oui, Azan majeur. Pourquoi vous n'avez pas répondu à la question concernant les PST, parce que les églises fonctionnent, mais à quand la reprise des cours? Mais ce n'est pas à nous d'y répondre. Bisso Bolanda qui, semaine passée, Tozogi ministre Willy Bakongate, Totuna Gemo, Tuna Wana, après ça, il répond. Et puis, pour nous appuyer, Maramou Christian, nous savons que nous avons un COVID, ce qui topé, ça instant coronavirus, dans les bandes de la chaque émission, ils ont déjà interprétation et interpellation. Et puis, Toyambi déjà ministre de la Santé Mbalaboni, après depuis deuxième vague, Toyambi est deux fois docteur Eteni Longono. Toyambi déjà INRB Mbalaboni, Toyambi Mbalamoko, monsieur Jean-Jacques Muyembe, le docteur, pour Narolo Belengo. Donc, on reste toujours dans la même dynamique. Bonjour Christian Osakweno. Joseph Kabila va faire quel type d'opposition avec Martin Fayulu ou lui seul? Question directe à Joseph Kabila Kabange. S'il va faire l'opposition, attention, on ne sait pas. Bonjour le débat. Je vous écris du Petro-Congo. Je suis patrouilleur dans une société pétrolière de la place. Mais ce que je déplore chez nos policiers, c'est que pendant le couvre-feu, juste vers le pont de la rivière Njili, ces derniers font de la tracasserie comme pas possible. À mes propres yeux, j'ai vu qu'ils confisquent des téléphones et de l'argent des gens. Dénonciation par SMS. Bonjour Top Congo, bonne année à vous, bonne année aussi. Êtes-vous au courant que ces derniers temps, presque dans toutes les parcelles de Kinshasa, il y a au moins un malade avec des fièvres allant jusqu'à 40 degrés ou 39 minimum et des fortes toux, surtout chez les enfants. Mais pourquoi le ministère de la Santé et l'INRB ne font pas des recherches pour savoir si c'est Corona ou peut-être une variante de Covid ou carrément autre chose? Message de Chedou Mien. Alors il faut savoir aussi que Mikolo, il y a deux choses qui... Il y a Babalobi, grippe et Zotambo la paix. Bon, nous, c'est ça Corona, mais Moto et Azako Bela, afin d'en écouter. Et a mis... A pousse à la Pemben, il y a... Mon ganga, tout la dispensaire pour battre la soki et l'okaza kobe les aïnini. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de cas, de pareils cas, et batou et belé bazako se plaindre notamment de problèmes respiratoires. Et c'est malheureusement les mêmes symptômes que le coronavirus. Bonjour le débat, monsieur Thierry Kamboudi. Ma question est de savoir pourquoi ce silence à l'UDPS, président c'est le vice-ministre de la Justice, concernant la libération des deux DG Sokok et OVD. Or, l'article 5 de l'ordonnance en question les exclut. Message de Gabi Mabanzo. Gabi Mabanzo. Monsieur Gabi Mabanzo, en tout cas, le ministre nous avait promis une émission, ministre de la Justice. On espère l'avoir, surtout que dans l'actualité et que l'ICAMO Libération est sili.
enfin facilité parce qu'à l'Yémo Rolbaï qui a encore une centaine de prisonniers bazo zela koza libéré et aux Amalam Toroluka. Bon, il y a eu des presse à la rédaction. Mais à Lobaki, il a dit, il a parlé le vice-ministre depuis. Hein. Donc, Lobateka Lobaki était assez à Lobby. Bon, il y a tout eu des presse plus. Hein. Pourquoi le silence, voilà, tu es président. Mm-hmm. Bonjour le débat. Pourquoi des mesures de prévention contre la propagation de Covid-19 sont appliquées seulement dans le secteur de l'éducation? Car on a suspendu les activités seulement dans le secteur de l'éducation. Or, il y a d'autres secteurs d'activité qui fonctionnent normalement. Gilbert Dawili, étudiant à l'université de Kinshasa. Bonjour, veuillez demander à Willy Bakonga pourquoi les correcteurs de l'examen d'État ne sont toujours pas payés. Où seraient passées leurs primes? Je pense que cette question était posée au vice-ministre Didier Boudimbou. Il a dit que bon voilà nana no bimaté mais bango basi ba kotsa makamonyo so demande na gouvernement bazo zela mbongo ebima. Bonjour Top Congo, na tindi message depuis Mwanda. Awa na Mwanda batoboli moto lisu na soldat na wenze a cause ya kashne. Ah batoboli moto lisu na policier likolo ya kashne. Awa un officier zo giflé bato na nzela à cause ya kashne mais yé moko ala tara yango te. Na misato bakisi awa ba commandant ba policier ba agent en sécurité até basali longtemps, ils ont fait longtemps à Mwanda et boti en sécurité pour ba koma ba ami ya ba criminel. Message de monsieur Eric depuis Mwanda. Message YouTube de Bouné Meskia. Vous avez sauté la question de celui qui a parlé de la reprise des cours, les bars, églises, marchés, transports ouverts mais écoles fermées. On n'a pas sauté. Tolo Banini. Déjà constat. Oui. Déjà constat. Parce que hier, on en a, la semaine passée, on en a parlé avec le ministre Bakonga. Balobaki, Bako évalué. Professeur Mouyembepe, je crois, vers la fin de la semaine, à l'obaï que Bako fixait opinion rapidement concernant les Kambouana. Bon, il faut rappeler que l'équipe de riposte ne fait que proposer. Enfin, le secrétariat technique ne fait que proposer. C'est au gouvernement de décider. Message YouTube. Pourquoi certaines personnes condamnent la prise de position de Fayoulou comme un acte haineux à l'égard de l'Union sacrée? Thierry Kamundi. Ah, je ne sais pas. 0 87 70 70. Tous nos groupes sont ouverts. Nous attendons vos messages. Bonjour Top Congo. Zandeko Salem Pepe na Boudjala. Soki président de la République, Top Premier ministre. Akoufi Libota na bango bazalaka récompensé chaque année na gouvernement. Bonjour le débat. C'est une question. Ah, c'est une question. Vous comprenez. Ce qui président, le premier ministre Bakoufi. Est-ce que Libota na ya osala récompensé chaque année na gouvernement? Non, ce qui président de la République na premier ministre Bakoufi basi na bango. Moi si oyo ya officiel, moi si ya premier ministre ou ya président Bakosungaye. Tiliwanae et Pascal se parce qu'il y a là il fallait le bah oui et le bino non on a le bino parce qu'il a le bino premier ministre en unité t'es abisso qui président au premier ministre. Ah ok d'accord si oui oui d'ailleurs maman Lumumba elle a été prise en charge jusqu'à son décès et on dit que maman Bobby Ladawa est toujours prise en charge par mensuellement voilà. Bonjour Top Congo, c'est Jeff qui vous suit depuis Kinshasa. Il faut nous préciser pourquoi alors Martin Fayoulou ne veut pas aller rejoindre les autres. Mais il a dit le 30 juin, le 30 décembre, non? À Salagi 10, il coule le 30 décembre. À l'obi, pour un nini, à Okota Kunate. À l'obi, que pour un yézali, Zemiami Balé, il y a mariage FCC Cash. Et que à Okota Makambouanate. Bonjour le débat. Avec deux députés morts de Covid, est-il responsable d'avoir une plénière de plus de 360 députés? Message de Christian Lumbu. De Bakoufi, hein? Il paraît qu'il y en a de Bakoufi, na moni et puis Bélé Bazali, positif. Na yango. Selon ce que j'ai vu aussi. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vérifié? Bonjour les débats, Maître Francis Niembo. S'il vous plaît, demandez un peu au président Félix. Il nous avait promis que le jour où il sera président de la République, toutes les personnes qu'il va choisir pour gouverner avec lui vont d'abord présenter leurs biens devant le Parlement, y compris Naïe président, avant de commencer à travailler. Mais deux ans, nous, la population, tous a toujours lissou, l'icolo, y a lissou. Non, le président de la République a bel et bien fait sa déclaration des biens à l'entrée. Enfin, je me rappelle, même dans les débats,
et salaire polémique. Le président a continué en fonction à sa déclaration à bien tête autant à la loi. Il dispose de deux mois, quelque chose comme ça, avant salaire. Et dans le délai, le président l'avait fait. Maintenant, pour les membres du gouvernement, c'est obligatoire. Mais, exactement que ceux qui ont salaire, Barobi misaké au président Zanaboué. Non. Ils ont souple fermé à qui a déposé, à qui ça la déclaration est bien. Balobi, en cas de problème, un jour n'est pas au fond. Voilà. Mais pour le moment, voilà. Il faut préciser que le président l'a fait et que les membres du gouvernement avaient l'obligation de le faire. Je crois qu'ils l'ont fait aussi. Bonjour, le débat. Si le procès est ouvert concernant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on trouve que Eddie Capen est innocent. On va le dédommager. Dans ce cas, il va saisir la justice contre qui? Non, mais attention. Il faut bien préciser que Eddie Capen n'a pas été condamné dans le cadre de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il a été condamné parce qu'il a l'accuse d'avoir tué celui qui a tué. Donc, le seul point pour lequel on peut le réhabiliter, c'est démontrer que ce n'est pas lui qui a tué celui qui a tué, mais pas pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais, Kangaki après, parce que Balobaki à l'époque, yé a bomié. Parce que Alinga quitté Aloba, banani batinda kiye. C'était ça le sujet. Oui, mais c'est pas un nouveau procès de Laurent. C'est pas dans le cadre du procès de Laurent Désiré Kabila, qui lui n'a pas encore eu lieu apparemment. Bon, nous sommes dans le cadre d'un procès. Motabomaki, comme on l'a dit, comme on a présenté les faits, ça fait partie du procès. Et tous ceux qu'on a condamnés, Bataba Service, Bataba Sarakuna et tout ça, ils ont encore un cadre à procès. Mais sur le principe, à la question de l'auditeur, la réponse à donner, c'est que ceux qui ont estimé que ceux qui procèdent Salami et que innocenté, et que quel procès? En révision d'un procès? Oui, procès. Mais il y a un lobbyiste. Activiste des droits de l'homme, réouvrir le procès. Bande à procès dans Nenga Malam. Parce que estimé que le procès est libossé, c'est malam au thé. Si on de Kwatuni, à l'obi, ceux qui font le procès, et qu'il s'avère que Eddie Capen est innocent, est-ce qu'il y a un fond à l'issoussou? Enfin, il y a un fond à l'issoussou, exiger dommage et intérêt, non? Jean-Pierre Bemba l'a fait à la CPI. Procédure est en cours, je crois, ou je sais pas, mais en tout cas, il l'a fait. Mais tant qu'à Bimaki. Non, mais moi, je pose juste la question pourquoi? Parce que quand il y a procès, l'appel est Zakana délai. Ce n'est pas question d'appel. Attends, non, c'est la réouverture. Non. Appel est en délai. On ne réouvre pas un procès, on va en révision d'un procès. C'est différent. Ça veut dire, la révision d'un procès, c'est pas que beaucoup kakaboye. On réouvre un procès, enfin, je pense. Le code de procédure, je crois, c'est pas ce qu'il dit. On veut réviser le procès précédent. Parce qu'on dit que la sanction dans le procès précédent était injuste ou pas conforme. Ce qui n'est pas la même chose avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'était un appel. Non, non. La révision et l'appel, c'est pas du tout la même chose. On a lobby pour Jean-Pierre Bemba, il a dit que. Na affaire Yaliboso, pour Abima. Il a été innocenté, non? Yangwana a Sengaki. Nous avons eu ici, avocat conseil, exigea qui dommage et intérêt. Pendant 10 ans, parce qu'il dans ces pays, Sengaki dommage et intérêt dans ces pays. Wana n'a pas cet exemple. Pour revenir au procès de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'est prévu que Moto Sokaza lésé et que réviser procès innocenté, alors que Purja qui déjà quelques jours, quelques mois, quelques années en prison. C'est possible qu'à attaquer la décision, on a toi attaqué, révision de procès, oui c'est toujours possible. C'est possible. Révision du procès, c'est pas un appel, hein, c'est une révision du procès. Non, à tout n'a qui peut appeler, ceux qui font le procès. Bonjour le débat, je veux juste savoir où pouvons-nous aller et avoir une personnalité juridique, car nous avons créé une association,
Mais nous ne savons pas si nous allons voir le chef du quartier, le bourgmestre ou le gouverneur. On a les statuts et le règlement. Mm-hmm. Bonjour, Top. Vas-y. Il faut déjà qu'il y ait une commune pour avoir des renseignements. Je pense qu'à partir de là, ils sont bien orientés. Bonjour. Bonjour, le débat. C'est quand, je suis Baudric Coyeno depuis Melun, en France. Pourquoi les émissions face à face n'arrivent pas à leur fin sur YouTube? Elles arrivent toutes à la fin. Maintenant, au revoir, merci, t'es le mot de la fin. Émission, on a un délai bien déterminé, on va pousser le débat jusqu'à la fin. Les civilités sont au début, pas à la fin. Tozo gagner temps. Voilà. Cette émission, ils ont dengue émission en gros. Et si la ma fini terminé. D'ailleurs, voilà. Ma wana donc, ça veut dire. Ma, et si la raté que oh, merci d'avoir participé à l'émission, merci de l'avoir suivi. Et si la réponse est invitée, pouf, monsieur Katani. Mm-hmm. Bonjour, le débat. Sous Félix Tshisekedi, l'université de Kinshasa connaît une année académique 2022. Soit 3 ans dans une même promotion. Mais tu comme il est en 2022, pourquoi il parle de 2022? Mm-hmm. Habite 3 ans dans une même promotion pour chaque étudiant de l'UNIKIN, chose qu'on n'a jamais connue pendant les 20 dernières années. François Kasongo Djonge Kama. Message de Jean-Jacques Omeonga. Salut Christian, quand la fin des massacres dans l'Est, invité pour nous le ministre de la Défense pour en savoir un peu plus sans manquer au secret défense. Bel truc. Je voudrais juste préciser que l'invité du face-à-face de dimanche prochain sera monsieur Sylvain Moutombo, le vice-ministre de la Défense. Bonjour, le débat. Est-il vrai que Lambert Mende a rejoint l'Union sacrée, monsieur Anatole à Kinshasa? En tout cas, on n'a pas entendu cela depuis sa rencontre avec le président. Alors, qui a écouté un député Naé et puis fixer opinion, on attend cela. Abakissi, s'il est vrai que l'ordonnance sur la grâce présidentielle a été falsifiée, est-ce que le président peut revenir sur son ordonnance? Le cas des DG qui ont été graciés. Bon, message SMS. Est-ce que c'est l'ordonnance qui a été falsifiée? Non. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bonjour, le débat. Cette émission est suivie en direct à Luisa, territoire situé au sud de la province du Kasaï central, à 210 km de la ville de Kalanga, sur la radio communautaire RACO FM 105. Merci à vous de nous suivre là-bas. Merci Thierry Kambouni. On se retrouve demain en direct. Donc, ce sera pour la rencontre, la conférence de déjeuner de presse entre le porte-parole du gouvernement, le ministre d'État en charge de la communication et des médias, Jolino Makelele Diwampovesa. Ce sera donc en direct dans le débat demain 11h30. On sera de sortie d'ailleurs. C'est vrai que ce sera. J'espère que les gestes barrières seront respectés. Entre-temps, vous respectez-les bien. Merci à l'équipe YouTube, merci à l'équipe radio. Et on se retrouve demain. Tout de suite, c'est ce la soir grande. Déjà, ce soir. L'invité est Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République et président du groupe parlementaire MSG7. Tout de suite, Mamie Tchela, pour la grande édition du journal de 13h30. À demain. Vous avez un avis, à thèse, antithèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, tinga mutu na zando, asomelo radio amuke, ocha na biro na yoto na ndaku na yo moko yo kaka makambo oyo ezotu mitabiso. 11h30, Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour Toyo Kibino ba auditeur, 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala kito zali peto, ozala kaka na bino. 085 210 11 11. Le débat, 11h30, 13h30. Balwani, formule Asika. 11h30 dans Lingala les alibis. Ah, Thierry, changez à tamboulo yoko. L'émission, le débat, est la seule émission où il y a une possibilité de faire. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'Union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois, ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolengetenge, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'Union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial.
Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolingué-Téngué, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'Union sacrée et le président Tshisekedi ? Pour appliquer quelle politique ? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolingué-Téngué, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'Union sacrée et le président Tshisekedi ? Pour appliquer quelle politique ? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolingué. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bienvenue à cette grande édition d'information sur Top Congo FM. Libération du DG de l'OVD, celui de Sokok, la CAGE et d'autres organisations qui luttent contre la corruption viennent de saisir le procureur général près la Cour de cassation en vue de l'ouverture d'une enquête. Selon Maître Georges Kapiamba, qui suit de près le dossier, les auteurs de cette libération qu'il juge irrégulière doivent subir la rigueur de la loi pour faute grave. Il exige également que Benjamin Wenga et Modeste Makabouza soient remis en prison. Top Congo FM. Le questeur adjoint de l'Assemblée nationale a démissionné de son poste. Sa lettre adressée au bureau d'âge a été lue au cours de la plénière qui devait examiner la pétition initiée contre lui. Dans sa correspondance, Innocent Union Vakpa évoque son état de santé qui ne lui permet plus de bien exercer ses fonctions. La plénière a pris acte de sa décision. Top Congo FM. Aucune motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Inukamba n'a été reçue par le bureau d'âge à l'Assemblée nationale. Précision apportée par le président Christophe Mboso qui a indiqué que la session extraordinaire doit se poursuivre dans la sérénité. Top Congo FM. Marche de protestation ce lundi à Kinshasa. L'initiative des étudiants de l'université de Kinshasa. Les manifestants exigent la reprise des activités dans les universités et instituts d'enseignement supérieur. Activités suspendues pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. D'après un étudiant qui a requis l'anonymat, il y a eu des interpellations de quelques étudiants et violations du site universitaire par la police. Top Congo FM. Pendant ce temps, la Confédération démocratique du travail, Fédération EPST, exige la reprise des cours avant la fin du mois de janvier dans les écoles primaires et secondaires. Dans une déclaration lundi à Kinshasa, les affiliés à la CDT FEPST disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement a décidé de suspendre les cours alors que toutes les autres activités de masse sont autorisées. Top Congo FM. La RDC est classée premier pays au monde affecté par l'insécurité alimentaire aiguë. Plus de 21 millions de personnes sont concernées. Ces populations en situation de crise et d'urgence se trouvent principalement dans les régions affectées par des conflits et mouvements de population et des épidémies. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mamie Tchela. Excellente condition d'écoute à vous tous. Le questeur adjoint de l'Assemblée nationale, Innocent Union Vakpa, vient de démissionner de son poste. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui l'a annoncé à la plénière de ce lundi. Les députés étaient en plénière pour poursuivre l'examen de la pétition qui le visait. Son cas n'a pas été examiné lors de la plénière du 10 novembre dernier qui avait donné lieu à la destitution des autres membres du bureau Mabunda parce que Union Vakpa Innocent était malade. Selon le président Christophe Mboso, une correspondance du questeur adjoint a été transmise au bureau d'âge de l'Assemblée nationale par l'entremise de son avocat. Par ailleurs, le président du bureau a également annoncé qu'aucune motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Inukamba n'a été reçu par son bureau. Il a souhaité que la session extraordinaire se poursuive dans la sérénité. Je vous laisse suivre le président du bureau d'âge, Christophe Mboso, sur les propos recueillis par Cécile Gomba. Je précise, jusqu'à aujourd'hui, le bureau d'âge n'a pas de motion de censure contre le Premier ministre. C'est ça qui énerve, qui inquiète certaines personnes. Alors, je vous en prie, laissez le Premier ministre travailler. Nous venons au point et entrer à la poursuite de l'examen de la pétition à charge des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le questeur adjoint. À ce sujet, il est important de vous rappeler
que lors de notre séance du 10 juillet, du 10 décembre 2020, consacrée à l'examen et au vote des pétitions initiées contre les 6 membres du bureau de l'Assemblée, l'Assemblée plénière avait décidé de s'asseoir à l'examen de celle-ci concernant l'honorable caissière adjoint suite à son indisponibilité pour des raisons de santé. Selon les informations parvenues à notre bureau d'âge, nous sommes obligés aujourd'hui de clôturer ce dossier qui fait que l'honorable caissière de ce fait pour mieux se consacrer à ses soins médicaux, il a jugé bon de libérer les postes de caissière. Christophe Mbosso, il est le président du bureau d'âge à l'Assemblée nationale. On parle encore des 12 millions de dollars pour la convocation de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement. Le budget 2019 et celui de 2020 sont différents du fait qu'il y a eu augmentation du budget qui est en train d'être exécuté par le gouvernement. C'est un député de Yakoma dans le sud Ubangi qui l'a déclaré dimanche à Kinshasa. Justin Dédé Kodoro a déclaré que le bureau d'âge n'a rien inventé. Il revient également sur les déclarations de l'ancien premier ministre Matata Ponyo, qui pense que l'Union sacrée risque d'être le FCC bis. Cette situation est provoquée expressément par nos amis du PPRD, à l'occurrence l'honorable Nsekouye, qui s'exerce dans l'opposition, qui veut y entrer. Le bureau d'âge n'a fait son budget sur base des instruments mis à sa disposition pour la gestion de l'Assemblée nationale. Sous Mabunda, il s'est fait que le budget 2019 est différent du budget 2020. Il y a eu quand même une augmentation du frais de fonctionnement du fait du budget 2020 qui a été voté. Et c'est tout à fait normal que l'augmentation de ces frais de fonctionnement qui a été déjà voté au niveau de l'Assemblée nationale impacte sur la tenue de la session extraordinaire. Je ne vois pas là où l'honorable Mbosso a inventé quelque chose. Il n'a fait qu'appliquer les dispositions réglementaires qui régissent l'Assemblée nationale. J'ai suivi l'interview du sénateur Matata qui dit que l'Union sacrée risque de devenir FCC bis. Dans l'Union sacrée, nous ne croyons pas qu'il aura un Congolais qui va dilapider 285 millions de dollars dans un projet bidon et qui continuera toujours à rester sans être inquiété. Quand je vois le sénateur Matata être libre et de discuter, même donner des conférences sur la bonne gouvernance, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas le courage de s'effacer devant certaines situations, qu'ils prennent quand même le courage de donner leçon alors que leurs actes les rattrapent. Justin Dédé Kodoro, il est député de Yakoma dans la province du sud Ubangi. Le collectif des ministres provinciaux de la RDC s'insurge contre le budget de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Selon son porte-parole, cette façon de faire est une grande injustice. Hilaire Kazadi voit mal qu'on paye mieux les députés nationaux et rien pour tous les députés provinciaux. Le ministre provincial porte-parole du collectif des ministres provinciaux de la RDC a été joint par Ali Boukassakabambi. Je venais d'apprendre pour la section extraordinaire de l'Assemblée nationale, on a demandé 12 millions de dollars. Mais en province, 12 millions là-bas, comme dans notre province de Romani, c'est qu'on paye toute l'année. Mais ici, nous avons fait 14 mois d'impayement. 14 mois. Même en Israël, on avait passé 14 mois. On avait fait 7 mois. Je ne parle pas en tant que ministre des communications de la province de Lomami, mais je parle en tant que porte-parole des ministres provinciaux. Je parle au nom de tous les ministres, parce que ce n'est pas logique. Alors, si les députés nationaux sont payés, les ministres nationaux sont payés, pourquoi pas les ministres provinciaux et les députés provinciaux? C'est-à-dire que ceux qui sont taxés, ce sont eux seulement qui ont voté président de la République et ceux de l'intérieur n'ont pas voté. On ne peut pas faire semblant. On pense que nous sommes en province, on ne peut pas nous écouter. Non. On veut nous écouter.